Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui à La Réunion, puisque le séminaire va être diffusé largement aussi au-delà de La Réunion pour resituer un petit peu le contexte géographique. Donc, bienvenue à La Réunion, bienvenue sur la commune de Saint-Paul, bienvenue sur le lieu-dit Saint-Gilles-Léo. Et bienvenue précisément dans le quartier de Villèle, sur lequel, effectivement, territoire sur lequel est implanté le musée historique de Villèle. Villèle fait référence à l'une des familles qui, effectivement, a dirigé cette grande action. On peut peut-être voir quelques images derrière moi, la maison de maître qui a été construite à la fin du XVIIIe siècle. Donc nous sommes vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui. C'est un peu une première. C'est vrai qu'avec le contexte actuel, on est obligé de faire preuve de créativité et puis de tester un petit peu nos limites techniques pour voir si effectivement nous sommes en capacité de réagir. Donc s'il y a quelques petites imperfections, pardonner un petit peu la chose. C'est vrai qu'on essuie un petit peu les plâtres, mais on espère que effectivement ce séminaire pourra se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Donc je remercie l'Association historique de l'océan Indien, représentée par son président, Monsieur d'avoir accepté de venir ici dans les hauteurs de Saint-Gilles-Léo. Ah oui, je vous dis dans les hauteurs de Saint-Gilles-Léo parce que nous nous trouvons à peu près à 390 mètres d'altitude. C'est une petite remarque géographique. L'île de la Réunion, c'est essentiellement un grand relief et le musée se situe dans ces hauteurs de Saint-Paul. Donc, comme le disait tout à l'heure, me le rappelait tout à l'heure Monsieur Pézèvre, donc nous en sommes à la 11e édition, semaine de l'histoire qui a été initiée par l'Association historique de l'océan Indien. Et c'est la première fois, effectivement, qu'a lieu une session sur le site du musée. Et on espère qu'on pourra pérenniser cette opération. Et ce n'est pas simplement le choix opportun de choisir le musée, c'est que le musée connaît une période charnière de son histoire, puisque cette année, où nous allons fêter la fête du grand 20 décembre, qui est très, très importante sur l'île de la Réunion, ce séminaire va être un petit peu considéré comme l'acte premier de cette fête du grand 20 décembre, qui doit être une fête du qui doit être de la fête de la connaissance, c'est important, qui doit être fête de la liberté, bien entendu, qui doit être le moment de la liberté de parole, mais c'est aussi l'occasion, effectivement, de faire le point sur la question difficile, toujours difficile, qui concerne la thématique de l'histoire de l'esclavage. Alors, je vous dis que pour nous, c'est important aujourd'hui, parce que cette année, dans le cadre de la troisième grande fête du 20 décembre organisée sur le site, on va montrer au public l'esquisse de ce que deviendra le musée demain. Le musée demain qui va à la fois resserrer son propos et l'élargir sur l'histoire de l'habitation. L'histoire de l'habitation qui fait référence à la société de plantation, qu'on devrait plus appeler société d'habitation, qui est le terme le plus historiquement retenu, puisqu'on le trouve dans les textes des archives, et qui définit la société réunionnaise, et puis l'histoire de l'esclavage. Donc vous voyez que là, il y a quand même un défi pour ce grand domaine qui représente effectivement la prospérité de la société esclavagiste, de rendre une place importante à ceux qui ont contribué à la prospérité de cette société coloniale, les esclaves qui, effectivement, ne sont pas assez présents, et de leur rendre effectivement une place qui leur revient dans le propos du musée. Donc là, il y a un défi de définir, de prévoir un parcours muséographique qui sera spécialement dédié à l'histoire de l'esclavage, avec effectivement toute la réflexion en amont. Quelle histoire de l'esclavage? Qu'est-ce que l'on met dans l'esclavage?
qu'est-ce qu'on montre de l'histoire de l'esclavage, donc toute cette problématique du musée, de l'exposition, exposer l'histoire de l'esclavage. Et c'est vrai qu'un musée est un lieu qui conserve des collections, et c'est un lieu qui expose, et qui d'une certaine manière s'expose aussi. Donc là, on a un défi, puisque d'ici 3 ans, on espère effectivement pouvoir présenter au public un nouveau musée qui prend en compte à la fois ce qu'il a été avant d'être un musée, c'est-à-dire un patrimoine historique important, qu'il faut tout à fait conserver, très important, et dont il faut assumer l'histoire, mais en revanche, il faut effectivement décrypter tous les aspects de l'histoire et rendre la place à tous les acteurs de cette histoire, ce qui sera le propos du futur musée. Du futur musée de Villèle, musée de l'habitation et de l'esclavage. Je vais passer la parole à Prosper pour commencer effectivement le séminaire. Je vous remercie. Monsieur le directeur du musée de Villèle, chers et chers collègues, chers étudiants et chers étudiants, mesdames et messieurs. Je tiens d'abord à remercier chaleureusement le conseil départemental et la direction du musée de Villèle, la personne de son directeur, M. Barbier, ici présent, qui ont accepté que cette dernière journée de la semaine de l'histoire de l'Indienne-Océanie, consacrée à l'esclavage, se déroule dans ce beau site patrimonial qui porte, plus que tout autre, à La Réunion, le poids de l'histoire. Par notre présence, nous entendons apporter notre contribution à la vie de cet espace muséal. Je remercie les chercheurs qui vont intervenir ce matin, ceux qui sont ici en présentiel et ceux qui sont à l'extérieur, notamment à Paris et au Mozambique. Cette séance est donc consacrée aux nouvelles approches sur l'esclavage. Comme les années précédentes, dans ce mot introductif, je citerai un cas pratique. La théorie de la douceur de l'esclavage a gagné du terrain à La Réunion au lendemain de l'abolition de l'esclavage, le 20 décembre 1848. Ces dernières années, une autre théorie qui accrédite l'idée que les femmes esclaves étaient fières de mettre au monde beaucoup d'enfants et avaient des familles nombreuses est venu conforter celle-ci. J'ai déjà évoqué ce sujet dans la présentation historiographique depuis de l'évolution des études sur l'histoire de l'esclavage à Bourbon depuis 1999, donc présentation que j'ai faite dans le nouveau volume « Île de la Réunion, regard croisé sur l'esclavage 1794-1848 » édité par le Conseil départemental à l'occasion du 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, je complète ma réflexion ici en me référant aux données statistiques qui l'infirment. L'augmentation de la population esclave entre 1825 et 1836, 59 000 en 1825, 63 447 en 1826, 62 296 en 1836, est la conséquence de la pratique de la traite clandestine. La croissance fulgurante entre 1825 et 1826 est bien due à cette fraude. Quand le roi décide de punir sévèrement ceux qui contournent le texte abolissant la traite, cette population régresse. Elle s'établit à 65 915 individus en 1842, 65 373 en 1844, 60 260 en 1847. Or,
avec des familles nombreuses, malgré une mortalité infantile importante, elle aurait dû connaître un réel accroissement. Au sein de la population esclave, en 1826, l'accroissement naturel est négatif. Le nombre de décès dépasse de 1606 le nombre de naissances. 765 naissances pour 2371 décès. La situation ne s'inverse pas les années suivantes. En 1842, au sein de la population esclave, l'accroissement naturel reste négatif. Les décès dépassent de 500 le nombre de naissances, soit d'un tiers. Par contre, au sein de la population libre, les naissances dépassent les décès de 490, soit d'un tiers. La proportion de naissances est de 1 sur 24 dans la population libre et de 1 sur 43 pour la population esclave, et celle des décès de 1 sur 36 pour la population libre et de 1 sur 33 pour la population esclave. Alors que la population libre connaît une augmentation de 10 802 individus entre 1831 et 1843, passant de 26 645 à 38 447, la population esclave enregistre un recul de 5 641 individus en 13 ans, passant de 70 285 à 64 644. Les publications du ministère de la Marine font ressortir que depuis 1832, la population esclave a subi, par l'effet des affranchissements, une diminution de 4 000 individus, à laquelle est venu s'ajouter l'excédent constant des décès sur les naissances de 10 480. Elle continue à diminuer jusqu'en 1848, de manière irrégulière certes, mais l'excédent des décès sur les naissances dépasse souvent le millier. Le nombre d'esclaves affranchis en 1848 est généralement évalué à 62 000, soit un recul de 2 644 individus entre 1844 et 1848. Alors, j'avais préparé des tableaux, mais ça n'a pas été transmis à la société qui s'occupe de la transmission de cette édition. J'ai cité les chiffres et je vais vous donner rapidement, d'ailleurs, la décroissance de la population esclave entre 1832 à 1844, pour que vous puissiez vous faire une idée des choses. En 1832, l'excédent des décès sur les naissances est de 477, en 1833, de 1264, en 1834, 750, en 1835, 1207, en 1836, 1306, 1837, 1358, 1838, 931, 1839, 1028, 1840, 616, 1841, 556, 1842, 468, 1843, 509. Cette décroissance suit un cours inexorable. Des commentateurs pensent alors que cette population esclave est appelée à terme à disparaître. Une autre source bat en brèche cette théorie de la famille nombreuse au sein de la famille esclave à l'île Bourbon. Dans Blanc et Noir, Gustave Holstner von Mercue parle de la crise de 1830, la crise sucrière qui affecte l'île en 1830, et signale que le noir était redevenu une marchandise recherchée. Il fournit deux raisons dont l'une nous intéresse au plus chef. Là, ce qu'il dit, on ne pouvait plus l'acquérir à un prix dérisoire, car la révolution de juillet avait au moins fait une bonne œuvre. Elle interdisait notamment l'achat d'hommes en provenance d'Afrique et de toute autre partie du monde. D'autres circonstances encore contribuaient à la hausse des cours. Le nombre de négresses par rapport à celui des nègres était de 1 pour 6. Les travaux pénibles imposés pareillement aux femmes et aux hommes entraînant plus de fausses couches que de naissances. La mortalité due au soleil brûlant et aux maltraitances était 3 fois plus élevée chez les esclaves que chez les créoles. L'accroissement du nombre d'esclaves par de nouvelles naissances était donc exclu. Le travail de l'historien exige de la rigueur.
avant d'émettre une théorie qui peut paraître séduisante et révolutionnaire, il faut accorder le temps nécessaire à la quête documentaire, exploiter toutes les sources sans idées préconçues, ne pas écourter le temps de la réflexion et de la critique afin de proposer un discours qui présente peu de failles. La Commission européenne a défini un ambitieux plan de lutte contre le racisme pour la période 2020-2025, appelant à une meilleure connaissance des racines historiques du racisme et la date du 2 décembre comme journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. En juin, le Parlement européen a adopté une résolution en ce sens. Il est question depuis plus de 10 ans de réparation de l'esclavage. L'Association historique internationale de l'océan Indien considère que la meilleure réparation est la protection du patrimoine lié à l'esclavage. En 2019, elle a réussi, après de longues années de lutte, à faire restituer à l'esclave Delphine Elod sa pierre tombale, subtilisée au profit du pirate Labuse dans le cimetière marin de Saint-Paul, grâce à l'appui de la municipalité de Saint-Paul, dirigée alors par Joseph Sinimalé. Elle a été aux côtés de l'association Quartier Libre, Mémoire, Patrimoine Océan Indien, pour sauver la geôle de Saint-Denis, aux prisons. L'obtention récente du label lieu de mémoire associé à la route de l'esclavage de l'UNESCO pour la prison Juliette Dodu sur la route de l'esclavage de l'UNESCO est forcément un bonus. Je vous souhaite de bonnes séances de travail ce matin, ainsi que de fructueux et courtois débats. Je vous remercie pour votre attention. Alors, est-ce qu'on lance directement la première intervention oui, ou oui, est-ce oui. que... Alors, en principe, le président de séance, là, c'est Bruno Cunha. Est-ce oui, je a... suis là, Prosper, tu m'entends? Mais c'est bien, c'est très bien. Eh bien, tu D'accord. prends la main. Merci, D'accord. merci infiniment. Bonjour Bruno, merci. Il n'y a pas de souci. Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière séance de la semaine de l'histoire. Alors, aujourd'hui, on va commencer sans attendre par Jean-François Cani, docteur en histoire, Université de La Réunion, qui va nous parler, enfin, le titre de sa communication, c'est « Accueil de la servitude coloniale dans le système des représentations des migrants ». Jean-François, c'est à toi. Alors, je reprends la parole. Oui. Notre ami Bruno Cunha n'avait pas l'information. En fait, Jean-François Cani, qui a soutenu sa thèse en septembre, est très gravement malade. Voilà. Mais il nous a envoyé, malgré tout, son texte. Il travaille sur un sujet qui est vraiment novateur et j'ai demandé à notre ami Raymond Monjol de nous lire le texte qu'il a envoyé. Ça a été un travail délicat dans la mesure où il a fallu qu'il s'approprie ce texte qui est très dense. Je lui donne la parole. Merci, monsieur le professeur. Merci, monsieur le président. Monsieur Monjol, vous avez 30 minutes. Merci, mais comme il n'y aura pas de questions après, si je déborde 5 minutes, cher ami, je te demande de faire preuve d'une très grande compréhension, d'autant plus, comme le professeur Prosperet vient de dire, il fallait s'approprier, surtout, c'est un document de 40 pages, il fallait donc amputer et... C'est un mot en tant qu'infirmier jadis qui m'effraie, hein, les amputations. D'accord, Raymond, parce que c'est toi. Les professeurs, mesdames, messieurs les responsables, chers étudiants, mesdames, messieurs, chers amis, c'est un honneur de prendre la parole devant une assemblée aussi prestigieuse et sur un lieu chargé de souvenirs et de symboles. Je remercie Monsieur le professeur Prosper Eve, de m'avoir confié la communication donc, du docteur en histoire, Monsieur Jean-François Cani,
l'accueil de la servitude coloniale dans le système de représentation des migrants non consentis. Ah, comme donc, à la vue de ces odieux commencements de ma dégradation, ai-je pu comprimer, retenir les élans de ma révolte ? Comment, pour leur ravir au moins la rançon de mon esclavage, ne me suis-je pas tué, m'étranglé, sous les yeux même de ces contrebandiers barbares ? Cette interrogation, pleine de remords, est celle du Sakalave, un des marrons de lui, Timagène Watt. Elle exprime plusieurs aberrations qui, a priori, heurtent le bon sens. La justification morale de la dégradation d'une partie de l'humanité, l'étouffement de la réprobation et la résignation, alors même que les asservis sont en supériorité numérique. Elle dit aussi la violence symbolique et l'injustice ressentie par les captifs. Car, pour bon nombre d'entre eux, la servitude n'appartient pas à leur histoire personnelle. Aussi, certains laissent-ils éclater leur revendication de dignité. Elle donne lieu à des épisodes de contestation violente. Mais aucun asservi ne renonce totalement à sa dignité et à sa liberté. D'aucuns la manifestent autrement que par la violence, de manière plus subtile. Les comportements des asservis dans l'île, sous couvert d'une résignation de surface, empruntent le chemin de la résilience, de la tactique, d'une affirmation de leur être véritable. Il y a bien dans les espaces de captation et dans l'espace colonial deux paradigmes en opposition radicale, celui du dominant, celui de l'asservi. Dans chacune de ces sociétés hiérarchisées d'origine, le dominant décrète et justifie l'existence d'une catégorie d'exclus, conçue comme négation absolue de ceux qui sont investis d'une forme de pouvoir. Les distances sociales sont rendues irréductibles par le degré d'affinité qu'accorde la place et la fonction de chacun avec le prestigieux et le sacré. Le sacré et le profane polarisent les charges symboliques du sang des individus. Aux deux extrémités, le pur et l'impur semblent soumis à une irrésistible et effrénée force de répulsion. L'exclu est tenu éloigné des rites, des rituels, des savoirs, des droits qui font le prestige de la relation de la religion, des dominants. Ce sera mieux. Cependant, décréter que quelqu'un est impur le rend-il ontologiquement impur ? La parole du dominant a-t-elle cette puissance performative que l'on prête à Dieu ? Le dire de Dieu fait être, sa parole donne chair à sa pensée. Les désirs du dominant n'ont évidemment aucune prise réelle sur l'essence des êtres humains qu'il veut soumettre. L'exclu se considère-t-il lui-même comme un impur ? Peut-être a-t-il intégré, du fait de son histoire culturelle et familiale, un certain nombre de décrets. S'il se résout à vivre son exclusion, cette résignation n'étouffe pas toute forme d'incompréhension, d'insoumission, d'inconfort, ne muselle pas son fort intérieur. Sa liberté métaphysique le porte à se transcender, à se penser autrement, à la résilience. D'ailleurs, l'asservi ne s'exclut pas de toute religiosité, ce qui tend à conforter l'idée que l'impureté qu'on lui surimpose n'irradie pas sa conscience profonde, ni sa nature somatique et pneumatique. Des dualités poignent, religion des dominants, religion des dominés, idéologie dominante, contre-idéologie des exclus, infériorisation méprisante, esprit de rébellion. Peut-on expliquer à partir du système de valeurs de chaque peuple asservi les résignations et les résistances protéiformes à la servitude coloniale ? Avant d'aller plus loin, il convient de s'accorder sur le sens de quelques concepts opératoires que nous utiliserons par la suite. Qu'est-ce qu'une idéologie ? Qu'est-ce que la vérité ? Qu'est-ce que l'immigration non sentie ? Qu'est-ce que la résilience ? Qu'est-ce que l'amour fatigue ? Notion donc nichéenne. Je pense que toutes ces définitions nous sont plus ou moins claires, donc je fais un pas de géant, et je vous amène pour vous dire que les besoins de l'exposé, c'est ce qu'a écrit donc l'auteur, nous décrivons pour les besoins de l'exposé, en premier lieu, la surimposition
des représentations des élites à la réalité des captifs. Ces derniers ont leur propre conception du monde qui entre en conflit avec le discours dominant. Ce conflit est le père des tactiques serviles que nous verrons. Dans un deuxième moment, nous évoquons le cadre conceptuel et les stratégies coloniales qui conditionnent l'agir des asservis. Je ne développerai que ces deux points. Il existe un troisième point que vous aurez bien sûr par écrit, puisque le temps nous est compté et même amputé, je trouve que ça veut dire encore beaucoup de choses à dire. C'est tellement enrichissant et très bien. En tout cas, ça m'a beaucoup enrichi. Premièrement, de la nécessité tension entre discours dominant et la vie, pour répondre à ce premier point, la réalité des captifs. En Afrique, à Madagascar et en Inde, il existe une culture historique de la servitude justifiée par le discours des dominants, qui empruntent leurs arguments dans les textes religieux, mythes, textes sacrés, exégèses. En faisant découler les structures sociales de la volonté de Dieu, les élites ont sacralisé les hiérarchies, et par là même les servitudes. Celles-ci sont ontologiquement justifiées. Pour les mythes malgaches, Étienne de Flacourt, dans l'avant-propos de son histoire, rapporte de quelle manière les grands Anossi s'y prennent pour justifier la hiérarchie sociale et l'esclavage. Ils utilisent une fable qui explique comment Dieu a créé les catégories sociales à partir des parties plus ou moins nobles du corps d'un être primordial. Une invention de la classe dirigeante, selon Flacourt, pour asseoir la domination sur les catégories subalternes et maintenir la rigidité de la hiérarchie dans laquelle les rangs immuables sont déterminés par la naissance. Autour du Xe siècle, les Banjars ramènent à Madagascar des éléments de culture védique, dont ceux qui touchent la société de Varna. Nous possédons une note, une illustration mythologique du caractère primordial et transcendantal de la structure sociale. Celle-ci précède et s'impose à l'humanité. Le monde, ses structures et ses règles sont un ouvrage que Dieu destine à une humanité à venir. Le missionnaire luthérien Lars Big s'installe pendant près de 28 ans à Mazinandrena, près d'Ansirabe, région relativement préservée des croyances et les anciennes traditions religieuses. Les Arias introduisent une quadripartition fonctionnelle du corps social, fonction sacerdotale, fonction guerrière, fonction productive et la catégorie des serviteurs ou des gens de peu. La structure du corps social découle naturellement du déploiement universel du dharma, principe organisateur du cosmos. La nature métaphysique immanente et implacable du dharma fait que les choses arrivent nécessairement. Le principe organisateur fige l'ordre du monde tout en sacrifiant les inégalités. Il appelle constance, régularité et régulation. En se singularisant, le dharma circonscrit les devoirs individuels. Shivadharma. Chaque être humain doit veiller au maintien de l'ordre socio-cosmique, à la place qui est la sienne. Il suit un relativisme moral qui rend acceptable, voire souhaitable, la domination et la soumission. L'impureté somatique et pneumatique des Africains évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire pneumatique, principe d'un mouvement interne, subjectif et d'intelligibilité. Je suis allé voir le dictionnaire, je vous l'avoue. En Afrique, la couleur de peau est inopérante pour rendre compte de l'altérité des servitudes autochtones et in fine de la participation des Africains à la traite des esclaves. Un élément naturel commun aux êtres humains et à force charge symbolique, vie, âme, lignage, se diversifie en générant des particularités, le sang. Celui-ci devient le ressort de l'argumentation idéologique fondant l'idée d'une dualité entre le sang pur et le sang impur. L'esclave se singularise par la nature de son sang qui porte la macule indélébile de sa spécialisation professionnelle méprisable. L'existence des castes spécialisées, des personnes de condition servile, participe à la rigidification de la structure hiérarchique des sociétés. Sur ce point, Jacques Binet distingue les zones forestières où les spécialisations professionnelles au Gabon, Congo, Côte d'Ivoire, Sénégal, Guinée, Mali, Haute-Volta. Alors, à partir du XVe siècle, le discours européen chrétien révèle une rhétorique similaire. La colonisation a pour justification officielle l'extension du royaume de Dieu
avec une conception duale du monde qui n'est pas sans rappeler celle des musulmans, paix aux chrétiens, guerre aux infidèles. Le discours du XVIIIe siècle déploie un arsenal doctrinaire au service de la traite. La traite apporte un bien-être à l'humanité dans son ensemble. Le caractère immoral, ils ont l'âme aussi noire que la peau. Des noirs indiquent qu'ils sont faits pour la condition servile. La traite est un moindre mal au regard du sort des captifs dans la tradition esclavagiste africaine. Seul l'usage de la force et de la crainte permet d'en tirer profit, car ils n'agissent pas au-delà de leurs instincts. D'un point de vue théologique, l'esclave est la juste rétribution du pécheur et rétablit l'équité entre les humains. Ceux qui choisissent le mal sont sanctionnés par la privation de ce par quoi ils ont été conduits à déplaire à Dieu, la liberté originelle et universelle. Le péché introduit une rupture, désorganise un ordre du monde égalitaire. L'ordre du monde s'autorégule par la justice divine. L'esclave est victime de sa liberté mal employée. Ainsi, la loi divine sanctuarise-t-elle l'esclavage tout en faisant porter la responsabilité que sur les seuls pécheurs. Les Écritures enseignent que l'humiliation de l'asservi est un devoir sacré, puisque la place de chacun est assignée par la justice divine. Privé de liberté sociale, l'esclave ne garde pas moins la maîtrise de ses vouloirs qu'il doit conformer au plan de Dieu pour ne pas l'offenser de nouveau. L'auteur, Jean Bellon et Saint-Quentin, convoquent naturellement plusieurs choses. D'abord, les doctrinaires du christianisme, Jésus et Paul de Tarse, qui ne proscrivent ni l'un ni l'autre la servitude, mais l'intègrent à leur théologie. Jésus, dit-il, n'est pas venu apprendre aux hommes à mépriser l'autorité, à résister aux puissances instituées par Dieu, ni aux serviteurs à se soustraire aux droits légitimes que le ciel a donnés aux maîtres sur eux. Sa mission n'est pas de troubler le repos de la société, ni de renverser l'ordre civil et politique, car son évangile est un évangile de paix qui enseigne l'humilité, la douceur, la subordination, la soumission et l'obéissance. Il n'a pas échappé aux théologiens de Paul de Tarse, défini un corps mystique du Christ, composé de tous les chrétiens, mais que ce corps n'abolit pas les distinctions. Ses membres ne tiennent pas le même rang et ne sont pas destinés aux mêmes fonctions. Les serviteurs sont associés aux pieds dont la position est inférieure aux autres membres du corps et dont le contact avec la terre traduit l'indispensable vocation laborieuse. Dans Corinthiens 1, 7, 21, 24, Paul exhorte chacun des croyants à se maintenir dans l'état où il se trouve quand il est appelé à la foi. Car l'esclave qui reçoit l'appel a une consolation spirituelle. Il est un affranchi du Seigneur, il doit pour cela suivre les pas de Jésus et servir docilement. Vous voyez tout ce que j'ai fait passer, hein? Alors, l'asservi est un homo religiosus, c'est-à-dire habité par une conscience religieuse qui possède un sens sacré. Je vous dis, je vais aller voir la définition. La principale chose d'esclave est la voie martiale et l'érasia, de sorte que l'esclavage est une mauvaise fortune pour les malheureuses victimes capturées. Mais avant cet accident de l'existence, elles avaient une vie sociale, culturelle, religieuse, économique, familiale. Le statut d'esclave s'est forcé à dénier cette vie passée, mais elle ne peut l'effacer de la mémoire des asservis. En Afrique, la vie est le sacré par excellence. Le rituel religieux célèbre la vie qui est omniprésente, omni-englobante et sans fin. Cette célébration est vivante et joyeuse, acclamations, cris, danse rythmée par le tambour. La place du tambour est centrale. Ses vibrations entrent en résonance avec l'énergie vitale de l'assistance. Le rythme du tambour rend celui du cœur. Mais la vie est également mouvement et le tambour régule le balancement des corps. Un être humain qui danse est un être humain vivant. La danse célèbre tous les aspects de la vie. La joie, c'est-à-dire les événements festifs, les peines, les funérailles, le travail, le repos, l'amour, la colère et la haine. Elle est fondamentalement religieuse, ce qu'elle établit des liens, communion de l'esprit et du corps, union du visible et de l'invisible, communion avec le groupe. Donc, j'ai pris fin donc cette première partie et je vais donc vous livrer maintenant la deuxième partie. Cette première partie qui était donc en premier lieu la surimposition des représentations des élites et la deuxième partie
qui est donc le cadre conceptuel et stratégie coloniale qui conditionne l'agir des asservis. Le postulat d'une liberté métaphysique, lorsqu'il est sous-jacent à l'éthique de la soumission, est arrimé à la distinction fondamentale entre l'âme, substance pensante, et le corps, substance étendue. Comme le fait très bien remarquer Florence Burga, de l'âme, que les chaînes qui entravent le corps, n'affectent en aucune manière. Être libre ne signifie pas obtenir l'objet du désir, mais se déterminer à vouloir de manière autonome. L'esclave reste maître de sa volonté. Rien ne peut l'empêcher de vouloir être libre, de fantasmer une autre éthique pour son corps, même s'il n'est pas le maître de son corps. Le maître, quant à lui, ne dispose pas la même souplesse d'esprit. Il se pense maître sans aucun choix. Aussi, le point de vue de la liberté métaphysique et de la volonté, l'esclave est libre et le maître esclave. La réduction ontologique de l'être humain à une volonté libre, indépendante du corps, méprisable qu'il abrite, conduit à minimiser le caractère désappropriant de la servitude. À certains égards, cette capacité à anéantiser le monde protège le sujet qui, par la pensée, s'évade de sa condition, se résout à l'accepter ou s'efforce de l'aimer. La liberté s'éprouve dans la réaction de résistance ou de résilience que provoque l'adversité. Par ailleurs, le corps, cet esclave de la volonté, s'avilit dans l'acte, dans la matérialité du vice. Il est le média sans lequel le péché ne peut être commis. C'est la raison pour laquelle le corps est haïssable, punissable et brimable. Et punir le corps ne porte aucunement atteinte à la liberté, ni à Dieu qui a voulu que l'être humain participe à sa liberté. Cet édifice doctrinal de la liberté de l'esprit, couplé à la servitude du corps, prolonge la scission cartésienne du corps et de l'âme. Le concept de braconnage. La manifestation de l'esprit de résilience semble donner raison à l'historien Prosper Eve, convaincu que le désir de liberté est la chose la plus partagée par les esclaves. L'esclave désire être libre. Ce désir traverse plusieurs espaces-temps, le pays d'origine, le bateau négrillé, l'habitation, la mer, la montagne. Lorsque nous sommes traversés par un désir et que ce désir est empêché, contrarié, le satisfaire, en passant outre l'obstacle, le sublimer en investissant un espace de compensation ou le refouler et se résigner. Dès lors, nous pouvons mesurer la frustration contenue de la majorité des asservis, tiraillée entre un désir contrarié et une abdication devant la force des choses. L'asservi est constamment soumis à une tension, une torture psychologique. Sans cesse travaillé par des forces contraires, les choix commandent des comportements de résistance. Certains perceptibles car violentes, d'autres plus discrètes ou symboliques ou de résignation. Dans l'espace-temps de l'habitation, par exemple, la résistance se décline à l'infini. Sabotage, incendie, vol, meurtre, fuite, marronnage, empoisonnement, infanticide, révolte, insubordination, suicide. Aussi nombreux et divers que sont ces faits, ils gênent et agacent le gouvernement colonial et les propriétaires, mais n'ont pas suffisamment de retentissement et de puissance pour dynamiter le système esclavagiste. Ces expédients, ces ressources momentanées, sont le fruit d'un calcul, d'un choix rationnel, visant le plus grand profit et l'évitement de la sanction. L'asservi est un acteur qui déploie des tactiques, plongé dans un lieu qui ne leur appartient pas, régi par des règles qui leur échappent, les soumis pérégrine secrètement à la recherche des micro-libertés et oppose l'oppression des ruses qui installent dans l'espace commun un espace propre. Le fait noir des esclaves. La nuit semble appartenir aux esclaves. Ils investissent autant qu'ils le peuvent. Et le témoignage que laisse Auguste Billiard au début du IXe siècle montre quelques aspects que revêt la liberté lorsque le voile sombre et obscur de la nuit recouvre l'habitation, chant des noirs, récits, escapades amoureuses, vol. La nuit des colons contraste avec le fait noir des esclaves. Pour les maîtres, espèce foncièrement diurne, nous dit Géraud, l'obscurité charrie avec elle des incertitudes angoissantes et des craintes magiques et religieuses. Tout peut arriver. Et aussi, pense-t-il infliger un châtiment supplémentaire aux esclaves en les livrant aux griffes de la nuit.
à moins que les grouillements serviles soient de nature à apaiser les angoisses nocturnes. Une présence rassurante, renforcée par les rondes des noirs gardiens. Ainsi, abandonnent-ils la nuit aux esclaves? Les noirs dorment peu. Beaucoup d'entre eux sont encore réveillés à 23 heures, comme le remarque Billiard. Certains noirs profitent de leur invisibilité pour s'éclipser hors de l'habitation. D'autres déploient une intense et importante activité culturelle. La nuit, l'esclave se réconcilie avec son corps. De nouveau, son humanité, son historicité, ses croyances, sa culture. Car l'esclave n'est pas une terre vierge sur laquelle ne s'est exercée aucune socialisation. L'asservissement est impuissant à effacer toute socialisation antérieure. Il y a une tension entre l'être de l'asservi tel qu'il est constitué avant son asservissement et l'être de l'asservi dans le projet colonial. Cette incompatibilité fait advenir différentes manifestations de l'esprit de révolte. Et le discours religieux colonial, l'obligation légale de convertir les esclaves au catholicisme introduit un dilemme quant à la nature de l'esclave, car le Code noir définit également l'esclave comme une chose, au même titre que les autres biens de la propriété, bien cessible en cas de dette ou bien indivise en cas de succession. Les tactiques serviles, je vais juste le citer, pour prendre la commande, donc les servis, les personnes serviles sont donc amenées à prendre et vouloir prendre les commandes de leur destin. Refuser enfanter, se suicider, saboter, fuir dans la montagne, par la mer, se rebeller, revendiquer ses droits, la culture aussi peut être une voie de résilience pour eux. En conclusion, comment les migrants se sont-ils accommodés de l'asservissement colonial? La communauté de destin ne suffit pas à cimenter la population servile autour d'un projet de libération. Elle ne parvient pas à transcender les antagonismes, de sorte que les actions sont toujours le fait d'un petit groupe localisé. La duplicité de certains esclaves fait avorter ou décourage les tentatives. Un climat de peur s'installe, peur de la dénonciation, peur du châtiment. Le caractère docile des Africains n'aide pas l'esprit de révolte à se développer. Face à l'oppression coloniale, la liberté métaphysique déploie tout son potentiel. Plus que jamais, le corps est en opposition radicale avec l'esprit. Faut-il que l'esprit souffre de ce que le corps soit brimé, empêché, ou doit-il s'épargner cette torture supplémentaire et viser un au-delà de sa condition? Accepter ce sur quoi nous pouvons agir. Agir ce qui dépend de nous, nos pensées, nos désirs. La vieille leçon stoïcienne Épictète s'incarne par la force des choses chez les asservis de Bourbon. Résignation à la résignation. Se résumer au moins en apparence pour goûter et jouir de la seule liberté possible, celle de l'esprit. En situation coloniale et oppressive, l'éphémère réappropriation du corps octroie une réelle expérience de liberté. Pendant ces rares et précieuses parenthèses spirituelles, l'asservi coïncide avec lui-même et ce qu'il a été. L'esclave ne renonce jamais à son désir de liberté, d'où la souffrance psychologique que lui inflige la violence symbolique de la servitude coloniale. Ainsi, se saisit-il des rares espaces de liberté pour exister en tant qu'être humain, le chant, la danse, le conte, la religion, tout en investissant. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Monjol. Merci beaucoup. Avec quel brio, avec quelle élégance vous nous avez charmé ce matin. Je suis sûr que vous avez fait honneur à Monsieur Cani. Alors, merci. Pour ce survol de la réalité des captures. J'ai personnellement adoré la phrase « Un être humain qui danse est un être humain vivant ». On pourrait vous retourner le compliment. Un être humain qui s'exprime comme vous est un être humain éternel. Merci. Alors, malheureusement, nous ne pourrons pas passer aux questions ce matin. Donc, je laisse la parole à M. Prosper Eve qui va nous parler des débats sur l'esclavage dans l'India-Océane. M. Eve?
Oui, je suis là, je suis là. Alors, j'avais modifié le titre et la dernière mouture du programme n'est pas parvenue à Bruno. En fait, le dernier titre que j'ai proposé, c'est Parcours d'un esclave débrouillard à l'île Bourbon, La Réunion, qui va vous offrir en fait un certain nombre d'éléments pour peut-être mieux saisir le discours tenu par Jean-François Cany sur l'importance du religieux sur la culture des esclaves. Donc, parcours d'un esclave débrouillard à l'île Bourbon. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a proclamé dans sa résolution à Res 68-237 la période 2015-2024 comme décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. Le thème retenu, personnes d'ascendance africaine, reconnaissance affiche aussi une voie de respect et la réalisation de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales des personnes d'ascendance africaine, comme le prévoit la résolution, la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi qu'une meilleure connaissance et un plus grand respect de la diversité du patrimoine, de la culture et de la contribution au développement des sociétés des personnes d'ascendance africaine, sans oublier la nécessité de renforcer les cadres juridiques internationaux, régionaux et nationaux, conformément à la Déclaration et au programme d'action de Durban et à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de veiller à les mettre en œuvre intégralement et effectivement. C'est pourquoi j'ai décidé d'accorder un intérêt particulier à l'héritage apporté par les Africains au temps de l'esclavage dans cette colonie française devenue département en 1946, en prenant comme source l'album de l'île de la Réunion, publié par Louis-Antoine Roussin entre 1860 et 1868. Ce choix est d'autant plus légitime qu'en ce début du 21e siècle, le groupe des descendants d'esclaves et d'engagés afro-melgaches, labellisé CAF, souffre plutôt d'une image négative dans la société réunionnaise. Comme le temps est très court, je ne me lancerai pas dans de longues digressions sur ce sujet. Tout le monde doit être au courant des discours tenus par les sociologues, les analystes d'une manière générale. Je dirais seulement que ce groupe CAF souffre d'un déficit d'image et souvent les affirmations les concernant sont des affirmations qui sont gratuites et erronées. La première édition de l'album de l'île de la Réunion, qui dresse un état des lieux de la connaissance de cette colonie au milieu du XIXe siècle, présente un double intérêt à dire les travailleurs importés d'Afrique et de Madagascar, car il permet de passer ainsi du général au particulier. Donc, je vais vous présenter d'abord un aperçu général des Afro-Malgaches, pour arriver ensuite au particulier, à un cas particulier. Lors de son arrivée dans cette colonie française, l'Africain n'a pas été présenté en des termes très élogieux. Il a été cependant reconnu comme travailleur sérieux, comme un travailleur sérieux, docile, apte à la besogne la plus ingrate. Le voyageur Pierre de Montforan dit qu'il est le cultivateur le mieux approprié à l'agriculture coloniale. Il est supérieur à l'Indien par sa force physique, sa fidélité, la soumission avec laquelle il se ploie à l'ordre et à la discipline. À la fin d'une journée de travail, ce lourdaud silencieux, indifférent aux mouvements et aux bruits extérieurs, aura fait plus de besogne que son remuant voisin, causeur intarissable, qui rappelle l'écureuil toujours livré à un mouvement inutile dans sa cage circulaire. Sa description physique fait ressortir
sa laideur. Il n'est pas plus coquet qu'alerte, ou du moins sa coquetterie. Et des plus originales, sa figure, d'un noir d'ébène, étale les dessins les plus horriblement bizarres, des cicatrices qui, pour n'avoir rien de glorieux, n'en sont pas moins d'un hideux effet. Le front est rayé, les joues tailladées, les lèvres et les oreilles abominablement tourmentées. Un trou où passerait le doigt laisse apercevoir entre le nez et la bouche des dents limées en pointe à rendre jalouse une bête de proie. On croirait volontiers que le porteur d'une semblable figure a passé par les épreuves de ces tortures sauvages si raffinées. Son costume n'est pas de nature à relever les grâces naturelles qui manquent à son visage et à sa tournure. Il s'enroule dans une pagne étroitement serrée, reste tête nue ou se coiffe d'un chapeau plus ou moins déformé et n'a dans la disposition de ses haillons piteux rien qui rappelle la recherche originale de l'Indien. N'oublions pas que dans ses cheveux crépus s'implante toujours une plume, un peigne de bois, quelques verroteries voyantes, un objet quelconque enfin, qui est pour lui soit un ornement, soit un fétiche religieux. La situation économico-sociale du cas dans le milieu du XIXe siècle et du XXe siècle. Alors qu'au XIXe siècle, il est considéré comme docile, s'attachant vite à la colonie, s'y trouvant beaucoup mieux que dans son propre pays, ne songeant jamais au rapatriement, en étant rarement sur les bancs de la cour d'assises, moins sujet que ses compagnons de travail au vol et à la violence, ce qui le fait choisir de préférence comme garde champêtre ou gardien, il est aujourd'hui surreprésenté dans les prisons. Sur le plan culturel, au XIXe siècle, c'est la danse de l'Africain qui subjugue Pierre de, un auteur MP de l'album de Roussin, qui travaille sur un article intitulé « Le Séga ». Après avoir fait observer que le Séga peut effaroucher la divine Terpsichore, le dieu de la danse, l'incomparable Bistris déconcerter les jarrets classiques d'un danseur d'opéra, cet auteur admet qu'il reste une danse pleine d'originalité, d'une désinvolture toute particulière. C'est la danse dans tout son élan, pleine d'originalité, dans tout son élan et son caprice originel, dit-il. C'est une suite d'attitudes languissantes ou animées, de pas pressés ou ralentis, de gestes violents et d'un tressaillement à peine visible, tout cela accompagné par les sifflements oppressés d'une poitrine qui soulève le désir. Ce n'est pas l'art du chorégraphe qui dirige les mouvements du danseur, c'est la passion, c'est l'amour. Non pas celui de nos salons, parfumés de verveine et gantés de blanc, mais l'amour furieux, tel que le fait naître dans le cœur, en calcinant la peau, le soleil dévorant de l'Afrique. Cet amour qui n'a rien de poétique, si vous le voulez analyser à fond, qui n'approche pas l'homme des anges, comme vous le dirait un mystique élégiaque, mais qui le fait beau. Encore parce qu'il le fait fort et entreprenant, parce qu'en lui rendant trop souvent, hélas, la rage aveugle du tigre et du lion, il lui donne aussi un reflet et de l'énergie et de leur sauvage grandeur. Une pantomime où tout s'improvise, où chaque pas est conçu et exécuté au même instant, où chacun apporte sa verve et son caractère propre, où sur 10 danseurs, vous n'en trouverez peut-être pas un reproduisant les poses et les gestes qui vont au but, c'est-à-dire des désirs les plus irrités et des ardeurs les plus dévorants. Voilà ce qu'est le Séga, ou du moins, voilà ce que j'y ai vu. C'est donc une danse véritable qu'une scène mimée où chaque acteur livré à son inspiration du moment, couvre d'arabesques capricieuses ou de figures excessives ce canevas. Le même pour tous, l'amour. Dans sa forme originelle, le Séga exécuté nu ou presque est qualifié de barbare. MP vante le Séga lorsqu'il se civilise, c'est-à-dire lorsque la chair du danseur est dissimulée sous des vêtements presque décents, et lorsqu'il est débarrassé de tout ce qui est sensuel.
ces tremblements nerveux que l'œil saisit à peine, ces poses où tout le mouvement et la vie sont passés dans les yeux du danseur et surtout de la danseuse, ces piétinements contenus, ces gestes passionnés, quoique modérés en apparence, ces soupirs haletants qui ont remplacé les sifflements prolongés, tout cela porte un bien autre trouble dans l'âme que la pantomime cynique du Sega primitif. L'étude de la toponymie de l'île fait ressortir l'importance du travail de sacralisation de l'espace par les esclaves malgaches partis en maraudage. Les afro-malgaches ont aussi imprimé la toponymie. Dans l'article consacré à Horaire, Jean-Marie Raffray reprend les détails fournis par un esclave africain parti en maraudage après son arrestation par M. le marchand à Horaire, coteau surplombant la ravine du Bémal, à proximité de la nature du terrain où il est arrêté. Là où vous êtes, dit-il, c'est Horaire, qui, dans l'idiome des Cafres, signifie « bonne terre ». Le piton opposé à l'aspect morne et désolé, c'est Carrère, ce qui veut dire « mauvaise terre ». Pour comprendre le travail opéré par les esclaves marrons, cet auteur invite une lecture symbolique. Salazi est la courtisane enchanteresse qui vous ravit et vous entraîne. Horaire, le pieux cénobite qui prie et médite dans la caverne. Lune vous verse dans sa coupe l'ivresse des sens. L'autre élève votre âme jusqu'à sa pieuse contemplation des œuvres de Dieu. La tradition raconte à l'oreille du voyageur la douloureuse légende de ces montagnes. Cette voix du passé qui sort des roches, des forêts, des cavernes, des bruyères, des ravins et des vieux sommets, émet le cœur de pitié au souvenir de ces luttes fratricides et de leur triste catastrophe. En décrivant l'habitation sucrière, Pierre de Montforan propose une approche de l'habitat des travailleurs engagés noirs. L'habitation sucrerie se divise en trois parties distinctes: la maison du maître ou grand case, les bâtiments d'exploitation du camp des engagés, les bâtiments d'exploitation et le camp des engagés. Voilà ce qu'il dit. Le camp se compose d'une large rue, des deux côtés de laquelle s'alignent à peu près régulièrement les cases construites en torchis ou même en paille et recouvertes de vétiver. Elles ont 3 à 4 mètres carrés. Cependant, il y en a toujours quelques-unes d'une longueur double ou quadruple, occupées en commun par plusieurs célibataires. Races nombreuses dans les bandes d'engagés où les femmes ne sont guère admises que dans la proportion d'un dixième. Sur une habitation bien tenue, la vue du camp n'est pas désagréable. Les arbres, les bananiers, le ruisseau qui la traverse, les plantes grimpantes lui donnent une apparence riante. Le plus souvent, le mobilier est réduit à sa plus simple expression. Une natte en vacois, vulgairement nommée saisie, jetée par terre, sert de lit. Une marmite unique sert à cuire le repas. Parfois, la case est dotée d'un coffre, d'un cadre garni d'une paillasse. Le camp est désert le jour, puisque tous ceux qui sont valides sont au travail. Ils s'animent le soir au retour du travail, lors de la préparation du repas. Ils présentent un affranchi créole resté attaché au travail de la terre, pas germain. Ils se dirigent vers un coin du camp, contre la clôture, contre le tapage des malbars et la musique trop sonore des cafres. Sa case est composée d'une chambre unique, séparée entre deux par un rideau de rabanne, qui relevé à moitié, laisse entrevoir un lit suffisamment garni et recouvert d'un beau tapis semé de fleurs et d'oiseaux. Le sol est sec, bien balayé. Sa femme, une forte Catherine, la rejoint, portant un nourrisson sur sa hanche. Il prépare le feu à l'aide de quelques menus bois ramassés le long du chemin pour cuire le repas, tandis que sa femme vanne le riz. Tous deux causent de mille et une chose pour en préparant les braids que le père rapportait des champs. Pagermin surveille la cuisson en fumant une pipe. Il condamne légèrement le travail agricole par le fils d'affranchi qui a appris à lire et à écrire, car il porte la marque de l'esclavage.
De Montforan reste attaché à la reproduction sociale. Il veut que Pagermain n'ait aucune ambition pour ses enfants. Ceux-ci doivent rester sur l'habitation où il a vieilli et qu'il borne leurs désirs comme il a su borner les siens. La première est coupée d'autres rues, le camp donc est coupé d'autres rues transversales. Si l'atelier est considérable, les maisonnettes des ménages créoles sont éparpillées à la périphérie de cet espace. Là, ils peuvent se livrer au jardinage et à l'élevage. Si l'album de l'île de la Réunion de Louis-Antoine Roussin accorde une large place à l'œuvre des dominants et des colons blancs, le noir n'est pas absent de cette œuvre. La biographie consacrée à un Africain, un noir africain, nourrit la présente réflexion, la richesse de l'aperçu particulier. À la Réunion, les premiers intellectuels qui s'intéressent à l'histoire de cette île du XVIIIe siècle au début du XXe siècle produisent des ouvrages d'histoire générale ou particulière ou encore des monographies. Mais l'intérêt pour le genre biographique est assez modeste. Il porte sur de grands administrateurs, des poètes, des médecins. Par contre, l'album de l'île de Bourbon, publié par Louis-Antoine Roussin entre 1860 et 1868, en 5 volumes, qui établit une sorte d'état des lieux des connaissances sur la colonie dans tous les domaines de la vie, contient 31 récits biographiques courts mais intéressants, car ils aiguisent la curiosité et incitent à aller plus loin au niveau de la réflexion. Dans ce corpus, 96,7% concernent l'élite intellectuelle, dont 4 religieux, prêtres ou évêques, 4 poètes, 1 médecin, 6 gouverneurs, 3 hommes politiques, 1 administrateur, 1 magistrat, 1 militaire, 1 peintre, 3 industriels, 3 scientifiques. Les 2 femmes sont tournées vers la musique et un seul homme est issu du monde esclave, pas Benjamin, employé comme colporteur par un entrepreneur de boulangerie. Ce dernier cas mérite toute notre attention. Il est si inhabituel et certainement incongru de parler d'un esclave vendeur de pain, affranchi en 1848, pour beaucoup de lecteurs nantis ou parvenus de cet album prestigieux, que l'auteur d'un tel article, Le Cours, en 1867, tente de se justifier en employant le sous-titre « Fantaisie biographique », un subterfuge destiné à faire croire qu'il ne s'agit pas d'une vraie biographie. Ce qu'il propose est un cas d'école, c'est pourquoi je me fais un devoir d'analyser son discours pour les besoins propres du travail entrepris ici. Cet auteur est pleinement conscient du fait que son écrit est différent de la vaste galerie de portraits des sommités intellectuelles présentées par l'équipe rédactionnelle de cet album. Il préfère sous-entendre que son objectif est de procurer au lecteur de l'amusement parce que son sujet est amusant. En réalité, il veut rendre hommage, de manière tout à fait sérieuse et subtile, à un troubadour ménestrel esclave, décédé, un homme talentueux qui a animé les rues de Saint-Denis à la fin de l'époque de l'esclavage et au début de la période d'essor de l'engagisme. Dès lors, son intention m'importe peu. Son entreprise est si louable et si fascinante que l'essentiel se situe pour moi au niveau documentaire et purement culturel. Il offre d'entrée de jeu des informations très utiles sur la société dans laquelle évolue son personnage. Sa définition de l'étiquette « pas » est particulièrement importante. « Pas », c'est comme qui dirait « père »,« papa », »,« bonhomme Benjamin ». Locution essentiellement respectueuse et même flatteuse, qui ne s'accole d'ordinaire qu'au nom de vieillard. Elle nous semble être née de ce que, dans les colonies françaises, de l'esclavage n'a définitivement disparu qu'en 1848, le mot « monsieur », sur lequel Charles Nodier, à moins que ce ne soit Alphonse Carr, a écrit de charmante malice, ne s'appliqua qu'aux hommes de condition libre. L'enfant esclave, s'adressant à un autre esclave plus âgé que lui, ne se permettant pas, et pour cause, de l'appeler monsieur ou madame, lui octroyait d'instinct le qualificatif monosyllabe « pas » pour le masculin et « ma » pour le féminin.
Le mât, pas de Ménilmontant, comme on le voit, se trouve presque là, quant au sens. Il offre ensuite des renseignements précieux sur l'importance de la débrouillardise au sein du monde esclave. Comme la plus grande partie de la population libre de cette île est misérable, l'esclave colporteur a forcément des difficultés à écouler les produits proposés par son maître. Pour liquider ses invendus et ne pas subir les foudres de son employeur, pas Benjamin multiplie les artifices pour séduire les éventuels acheteurs en exploitant son savoir-faire musical et artistique, ce qui finit, après s'être rodé au fil des mois, par le rendre attachant et par faire de lui un producteur de spectacles de rue au moyen d'un bobre et de deux marionnettes. Quand sonne l'abolition de l'esclavage, il est au summum de son art. Il ne peut plus s'en passer. Il a déjà une notoriété et il peut en vivre. Il ressent que sa démarche a du sens, qu'elle est comprise de l'humble comme du riche et que son spectacle musico-théâtral correspond en définitive à une demande. La part africaine qu'il exprime, qu'il revendique, qu'il apporte à cette société créole n'est pas rejetée, n'est pas dénigrée. Elle est au contraire recherchée et appréciée car la culture est universelle. Et par sa culture, il parvient à être dans l'île, c'est-à-dire à réunir dans la joie des êtres de diverses origines, du plus petit au plus âgé. Il en est, dit le cours, du vendeur qui ne vend pas comme du lièvre en son gîte. Il songe lui aussi, et parfois, de ce songe inquiet, naissent des idées fécondes en résultat positif. La modeste célébrité dont jouit pas Benjamin est une preuve, de plus, à l'appui de cette vérité. Son orchestre ainsi organisé, sa troupe formée, ses acteurs en scène, pour ainsi dire, pas Benjamin se dit, in petto, pourquoi ne réussirais-je pas? Moi aussi, je suis artiste, et le voilà en route, exploitant le coin de la rue. C'est le dimanche surtout qu'ont lieu ces représentations. Voulait-on y assister? Il suffisait de se transporter au port aux hôtels de Saint-Denis entre 4 heures et 5 heures du soir. L'auteur de cet article ne sépare pas ici le temps de l'esclavage de celui de l'engagisme qui clôt la période engagiste et se poursuit à l'époque en post-abolitionniste. Car il est sûr que lorsqu'au temps de l'esclavage, pas Benjamin travaille pour son maître, il use de son art uniquement pour inciter les badauds à acheter son pain. Il cessait. Mais, après l'abolition de l'esclavage, comme il est libre de ses faits et gestes, après avoir repéré les lieux attractifs de la ville, il peut s'y rendre le dimanche et s'exprimer librement. Son spectacle est si novateur, attrayant et distrayant qu'il attire et séduit des spectateurs ordinaires très assidus, des capitaines de navires, un agent des capitaines de navires, des bonnes d'enfants, des fantassins très proprement vêtus avec leurs gants d'ordonnance, un agent de police, quelquefois même deux, des cafés et des cavrines, plusieurs centaines de gamins. Pas Benjamin a une vraie connaissance du spectacle de marionnettes qu'il a acquise dans son pays de départ et qu'il n'hésite pas à utiliser à bon escient quand l'occasion se présente dans cette colonie. L'esclave, à son arrivée dans l'île, n'est pas une page blanche sur laquelle le colonisateur seul va tout inscrire. Son histoire individuelle ne commence pas lorsqu'il pose ses pieds sur le pont du navire de traite. Sur le pont du navire de traite ou au moment où il foule la terre ferme au Barachois avant l'abolition de la traite en 1817 et de manière clandestine, en tout autre point de la côte de l'île, après. Dans cette île, son statut ne l'empêche pas de boire à la coupe de sa culture et même de la présenter aux autres. La toile se lève. Notre directeur appelle à son aide le premier badaud venu. Et pendant qu'il passe lui-même
sa jambe gauche entre les deux ficelles qui servent de théâtre à ses poupées. Il en confie l'extrémité opposée à son coadjuteur, qui le seconde toujours à merveille grâce à son habileté à lui, qu'on n'a jamais surprise en défaut. La pièce commence. Ici, Vilboquet est dépassé. Pas Benjamin n'a pas, il est vrai, la fertile crédulité du peuple de Meaux à exploiter, ni même l'enthousiasme de Madame Mérès. Mais il lui suffit de sa bonhomie, de l'art supérieur avec lequel il imprime à ses marionnettes les mouvements les plus imprévus, les poses les plus lascives, pour captiver l'attention de son public. Par une simple flexion de la jambe à laquelle tiennent les ficelles, par un penchement de corps savamment combiné, par un renversement de tête perceptible à peine, il fait faire à ses personnages ce qui lui plaît. Et quelquefois, plus que ne le voudrait la farouche pudeur du troupier qui s'écrie néanmoins dans son naïf étonnement « Bon Dieu, que c'est rigolo !» Tandis que la bonne, elle, par respect pour son tablier d'une blancheur immaculée et pour la dignité de ses délicates fonctions, cache son visage qui ne rougit pas. C'est toujours une négresse dans son ample mouchoir et pousse un cri d'indignation. « Ah, mon Dieu, ça l'est trop fort !»« Ce pas Benjamin-là, les maudits !» Puis, détournant la tête, elle rit sournoisement aux écarts de M. Bernard, de Mlle Zabeth, dont les écarts sont plus accentués encore. M. Bernard, c'est la poupée mâle, ou le premier rôle, et Mlle Zabeth est naturellement l'autre. Ne croyez pas d'ailleurs, d'après ce que dit des licences de la troupe de Pas Benjamin, que ce prudent directeur traite sans fond la morale publique. Il se montre au contraire d'une sévérité extrême lorsqu'il lui semble que la décence court quelques dangers. Allons, allons, doucement, M. Bernard, fais pas l'affronter. Et vous, Mlle Elisabeth, à quoi faire presser? Allez doucement, vous aussi. Vois pas tout ce beau monde qui regarde à vous. Un peu moins d'empressement. Soit en français, allons, allons, M. Bernard, un peu moins d'empressement. Ne vous comportez pas comme un mal élevé, respectez le public qui vous regarde. Et vous, Mlle Elisabeth, c'est pareil. Pourquoi êtes-vous si pressé? Allez-y doucement. Tenez compte du public composé de femmes et de jeunes enfants qui vous regardent. Et M. Bernard, qui allait volontiers entamer une figure auprès de la plus courageuse et ses analogues auraient pâli, est soudain rappelé à l'ordre. Son attitude devient aussi grave que celle d'un magistrat dans un bal officiel. Il va sans dire que Mlle Elisabeth suit cet exemple, mais le troupier de tout à l'heure ne trouve plus la chose aussi rigolo. Et la bonne, qui aurait voulu bien rougir et qui riait sous cap, est devenue triste. Voilà que ça la recommence, les acteurs vont de hardiesse en hardiesse, et pas Benjamin, les stimulants du Bob, de ses mimologismes et de ses onomatopées qui rappellent les i de Molière, les ta-ta-ta de Racine, les from-from-from de Beaumarchais, les phrases-phrases de Madame de Sévigné, les wan-wan-wan de Buffon. Pas Benjamin, dis-je, rend la gaieté, l'hilarité, une hilarité inextinguible à ses nombreux spectateurs. Et les pièces de 5, 10 centimes et parfois même d'un franc tombent, pleuvent littéralement sur la tête du bon ménestrel. Il est dommage que personne n'ait cru bon de noter par écrit le répertoire oral de Pas Benjamin. À le cours, nous en livre une courte séquence qui traduit la finesse d'esprit de ce troubadour africain en verve en terre réunionnaise. À travers ce personnage sympathique et fabuleux, le cours fait découvrir une facette cachée de l'esclavage à La Réunion. Pas Benjamin, esclave parmi les esclaves, est un créateur et non pas un individu passif, perdu dans la nuit de la désespérance esclavagiste. Confronté à une difficulté posée par l'exercice de la tâche qui lui a été confiée par son maître, il réfléchit. Vendre du pain, il réfléchit. Et trouve une solution en puisant à pleine main dans sa culture ancestrale, dans ce qui nourrit son être intérieur, en donnant libre cours à ses talents cachés, insoupçonnés par son maître, en osant s'exprimer au travail, sans penser au qu'en dira-t-on, sans solliciter une autorisation gouvernementale, car chanter n'est pas un crime,
en se réfugiant en lui-même, en ramenant à la surface cette terre divine enfouie en lui, il donne un sens nouveau à sa vie. Il ne s'improvise pas joueur de bobre et marionnettiste, car il a la totale maîtrise de son instrument et des ficelles de son spectacle. Ce qui ne signifie pas qu'il ne cultive pas l'art de l'improvisation, car ses textes oraux sont bien improvisés en fonction du degré de compréhension et d'adhésion de son public. Il sort du schéma de stricte dépendance de son employeur, défini par le pouvoir colonial. Il devient acteur de sa vie et acteur tout court. Après l'abolition de l'esclavage, il produit des spectacles vivants qui apportent de la joie au public dans une société qui reste clivée, guindée, désenchantée, monotone et triste. Les conditions de ce travail sont telles pour les dominés que le départ pour la tâche ne déclenche pas l'hilarité et la joie. En évoquant ses talents artistiques, en évoquant les talents artistiques de Pape Benjamin, son biographe l'élève sans hésitation au rang des troubadours apparus vers 1100 dans la moitié sud de la France, alors qu'il est né sous les cieux d'Afrique. Il ne croit pas si bien dire, car il existe une proximité entre sa pratique artistique et poétique et la leur. Pas Benjamin, à son insu, nous fait pénétrer au cœur de la poésie africaine qui unit de manière absolue et indissoluble la poésie et la musique. Le troubadour compose aussi bien la musique que les paroles. En Afrique, le chant étant un exercice populaire, le poème est à la portée de tous. Quiconque se sent capable peut en faire en l'improvisant ou en répétant ce qui existe. En Afrique, la poésie est un mode d'expression à la portée de tous et non réservé à une vocation particulière. Le chant est un mode d'expression à la portée de tous et non donc réservé à une catégorie particulière. Le rythme est le saut de la poésie. C'est la musique et le débit plus ou moins rapide qui rythment un chant. Les chants populaires comprennent un ou deux vers répétés à l'infini. Surtout d'une même unité de mesure donnée et encadrée par la mélodie fonde le rythme. La danse de son coïncide ou cède le pas à une danse de mots, à des jeux de mots qui sont autant, sinon plus recherchés par les maîtres du langage. Et c'est parce qu'il est connaisseur de la gaule poétique que ce biographe, le cours, peut saisir la qualité du travail de Pape Benjamin. Je ne parle pas de la science musicale de Pape Benjamin. Je dirais seulement qu'il était à la fois poète et musicien, ni plus ou moins que ses illustres aïeux qui allaient de château en château chantant l'amour, flattant les dames et les seigneurs dans leurs jeux sous leurs mêles. Sa musique, dont il n'est rien resté, n'était certes pas de celle dont Guldarezo a fixé les principes, mais pas Benjamin, pas des ing, ong, ong articulés, tantôt du nez, tantôt du gosier, et par une sorte de sifflement indescriptible dont il a aussi emporté le secret, parvenait sans peine à toujours mettre ses danseurs en mesure et à exciter de plus en plus les éclats de rire de la foule. Pas Benjamin affectionne ses chansons joyeuses, badines et légères. Il ne s'inspire pas des troubadours du Moyen-Âge, car il n'est pas adepte de l'amour courtois, qui reste chaste et meurt martyr, qui ne cède pas à la passion, sorte de fatum inéluctable, d'ordre physique, mais opte pour la continence. Il n'est pas le chant de l'amour chevaleresque. Il est acteur de son petit poème. Il puise ses mots dans les expériences de sa propre vie. Chacune de ses idées est le fruit d'un sentiment vécu. Ses amoureux, M. Bernard et Mlle Elisabeth, ne sont pas pudiques. Ils n'ont qu'un désir, passer à l'acte. Ils ont peur de perdre du temps, car le temps perdu ne se rattrape jamais. Ils veulent profiter de l'instant présent, car ils ne sont maîtres de rien. Ils ne sont surtout pas maîtres du lendemain. Pas Benjamin, qui n'est pas un moraliste, les rappelle malgré tout à l'ordre avant de déclarer forfait. Il rend son sentiment dans sa naïve allégresse
Il n'est pas dans le registre de l'invention pour émouvoir. Sa poésie est le résultat de différentes situations où il s'est trouvé, placé par le hasard. L'empressement témoigné par celles et ceux qui tiennent à le voir et à l'entendre, la réputation qu'il acquiert au fil des années, le tir de l'obscurité de sa condition indigente d'affranchi de 1848. Son spectacle est si apprécié que les familles aisées de Saint-Denis l'invitent à venir divertir leurs enfants à domicile. Il remporte là un pari qu'il n'a certainement pas envisagé et engagé. Ce qui prouve, d'une part, que son imagination féconde lui offre un répertoire suffisamment diversifié, qu'il est capable de s'adapter à tous les publics et qu'il fait le bonheur des petits-enfants remplis d'innocence. Ce qui prouve, d'autre part, qu'il réussit bien à atténuer à sa manière, pendant quelques instants, la tristesse de la vie, là où il se produit dans cette colonie, ainsi que les barrières au sein de cette société, car ce qui est bon, bien et agréable est apprécié de tous. Les membres de cette société finissent par le voir autrement, à dépasser son appartenance ethnoculturelle, son enveloppe charnelle, son modeste accoutrement, pour regarder ce qu'il porte en lui de plus noble, son art. Comme il est généreux et il a l'âme de l'artiste, après sa période dionysienne d'essai, il déambule dans l'île à son propre compte. De simple vendeur de pain ambulant, il devient artiste ambulant, à l'instar de Molière au XVIIe siècle. Selon les dires de Lecour, ses prestations lui rapportaient suffisamment. Pas Benjamin réussit d'abord parce qu'il a été formé, ensuite parce qu'il ne manque pas d'audace et enfin parce qu'il croit en son projet. S'il ne fait pas des adeptes, c'est parce que les uns ne se sentent pas capables de dire, de se mettre en scène, et les autres se disent que ce métier ne peut pas rapporter et par conséquent ne nourrit pas une famille. La popularité de ce bonhomme était telle, dit Lecour, que des plus opulentes maisons de Saint-Denis, on le faisait venir pour amuser les enfants. Et il les amusait bien, je vous jure. Et lorsqu'il était fatigué de la capitale, il entreprenait le jour de la colonie, le tour de la colonie, pipe à la bouche, sac au dos, disposé à stationner quelques heures dans chaque commune, au profit de son escarcelle, qui tout au long de son itinéraire de plus de 200 km, s'emplissait à crever. Bref, cette fantaisie biographique de Lecour apporte des renseignements très originaux et utiles sur la question de la culture africaine à La Réunion, de sa diffusion, de sa réception. À l'heure de la recherche de la pureté, où les biens patrimoniaux font l'objet d'âpres discussions, il est utile de le rappeler. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, professeur Ève. Et si j'osais la comparaison, le grand air vous donne des ailes, ce qui constitue en soi un plaidoyer pour que nous nous retrouvions en 2021 en présentiel. Alors, effectivement, j'ai découvert, comme je suppose beaucoup, ce personnage incroyable qui me rappelle Chocolat. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses très intéressantes et je vous poserai une question après. Je laisse la parole au public. Des questions, s'il vous plaît, le public. Alors oui, on vient de me rappeler qu'il y a un petit jingle de 10 secondes. Je ne vais pas me répéter. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Je suis sûr. Public en présentiel et le public en distance. Vas-y. Oui, Grégory. Monsieur Ève, bonjour. Je vous remercie pour ce travail énorme, tout ce qui a été fait avant et pour ce qui est encore fait par vous et tout le monde aujourd'hui. Une question au sujet de cette histoire magnifique que j'ai lu avec celle de notre CAF qui s'appelait Francisco. Et si je vous dis par exemple, tout le monde est censé répéter,
Ouais, même qu'à Francisco, mi travail, bord bateau. La misère, elle est trop fort. Ramène-moi d'un bord. À ce que j'ai lu, cette chansonnette, que tout le monde est censé connaître, enfin, plus ou moins on connaît, elle a été écrite par Georges Fourcade. Elle retrace la vie réelle, justement, de ce personnage, Francisco, issu des Portugais. Et a priori, ça se lie avec l'histoire de Père Benjamin que j'ai cru voir dans l'histoire de Francisco. Si vous avez des infos, parce que marionnette, Bob, tout ça, place de la cathédrale, ça rejoint votre histoire, mais je n'ai pas de certitude au sujet de ce lien qu'il y a entre ces deux personnages. Mais lui, en fait, ce n'est pas la même période. Hein. Pas Benjamin, c'est vraiment le temps de l'esclavage. Et ensuite, comme il est affranchi en 1848, ben, il continue à exercer son art. Hein. Exactement. C'est... Francisco, c'est plutôt fin du 19e, début du 20e. Ce n'est pas la même période. À ce que j'ai lu, hein, c'est pas moi qui le dis, mais je ne pourrais pas vous dire la source. Ouais. Il aurait vécu l'abolition en 1848 et serait entré en personne avec Saada Gariga dans la cathédrale. Ah ben oui, mais là, non. Là, je veux dire, sur ce personnage-là, je n'ai pas d'informations. Moi, je n'invente pas l'histoire. Oui, je sais, c'est pour ça que je pose la question. Monsieur. Là, j'ai une source, donc je l'ai exploitée, mais... pensez bien que si Fourcade écrit sur un personnage, Fourcade il vit au 20e, si quelqu'un est né à l'époque de l'esclavage, Fourcade n'a pas eu la possibilité de le fréquenter, vous voyez. Donc là, on okay, est dans ce registre, moi je ne m'aventurerai pas, non, je suis incapable de dire s'il y a une filiation directe entre les deux personnages. En gros, voilà. C'est à nous de faire le travail, c'est à nous. Oui, donc c'est un champ, oui, bien merci, sûr. Merci. Voilà. Bravo. C'est un champ de recherche, c'est possible. Merci, monsieur, pour votre intervention qui nous a fait voyager dans un temps vraiment qu'on ne s'imaginait pas d'avoir des artistes tel cet artiste, pas Benjamin. Je voulais juste vous demander, monsieur, si est-ce que cette biographie peut être le plus exact possible? Alors, j'ai essayé de reprendre les termes de le cours. Et vous êtes en train de dire, est-ce que là... trafique pas trop un peu la réalité des choses. Ben voilà, si le... Et le problème de fond, quand vous posez cette question, elle est très intéressante. Mais en même temps, vous devez vous demander quel est l'intérêt. Oui, tout à fait. Quel est l'intérêt de le cours de figurer Benjamin, un ancien esclave dans la boule de Goussin. Tout à fait. Parce qu'on croyait que c'était quelque chose de très courant. Si, vous savez, si... Edmond Albinus figure dans l'album de Roussin, il y a eu un combat qui a été mené. Hein. Donc il y a des gens qui l'ont défendu pour qu'il puisse être présenté, aussi bien au niveau de la lithographie qu'au niveau du texte. Donc vous voyez très bien que cet individu, ce biographe, hein, n'est pas là pour prendre fait et cause de Père Benjamin. Au contraire, l'historien, face à un tel document, eh bien, doit s'incliner. Se mettre à genoux. Parce que c'est tellement rare d'avoir des informations sur le vécu de ces esclaves qui ont été ensuite affranchis, eh bien qu'il ne faut pas faire la fine bouche lorsqu'on a un document. Bien sûr, l'historien doit critiquer le document, mais sa critique doit se situer dans une logique précise, respectueuse du document. S'il y a des choses à critiquer, bien sûr, il doit le faire, mais il ne faut pas rejeter un document parce qu'il a été écrit par un Européen ou je ne sais qui, d'accord? Parce qu'on a des idées préconçues. Qu'importe, je vous ai dit, qu'importe les sentiments qui animaient le cours, l'important, c'est son texte. D'autres questions? Donc, merci pour l'exposé.
et d'avoir présenté Pas Benjamin. Monsieur Prosper Eve, est-ce qu'on peut retrouver Pas Benjamin, des traces de Pas Benjamin dans d'autres sources, les journaux, ou, mais dans une recherche très longue, hein, on le retrouverait peut-être par hasard dans d'autres journaux, comme il faisait des spectacles, est-ce qu'il y aurait des articles parce que vous nous avez mis en avant cet artiste à travers l'album de l'île de La Réunion, mais peut-être on pourrait retrouver sa trace aussi dans d'autres sources. Si... Eh bien, mademoiselle Fabienne Jean-Baptiste, puisque vous êtes une spécialiste de la presse, pour avoir déjà compulsé la presse, vous auriez dû être la première pour nous dire, eh bien voilà, moi, j'ai déjà trouvé des articles sur ce personnage. D'accord ? Est-ce que vous avez déjà trouvé, lorsque vous avez fait vos recherches, des articles sur Pas Benjamin dans la presse ? Dites-le nous. Alors, non, parce que les journaux sont... Enfin, je n'ai pas tout compulsé non plus, de 1939 à 1948, mais je pense qu'après... de 1948 à... Mais là, les journaux sont manquants. Les journaux sont manquants et la recherche est longue et difficile. Et je pense que là, vous avez présenté un superbe personnage, Pas Benjamin, et je pense qu'on peut trouver des articles sur ces représentations, surtout qu'il était invité dans les maisons, etc., où il y aurait toute autre source aussi pour parler de lui. Et effectivement, ça donne envie d'aller le retrouver donc, également donc, alors, dans d'autres sources. C'est très intéressant de vous écouter. D'accord ? Parce que Pas Benjamin, je l'ai dit, vit au 19e siècle. Il est emporté très certainement par la mort dans le second 19e. Et vous nous dites que vous avez consulté la presse dans les années 1900 à 1939 à peu près. Est-ce que honnêtement vous auriez pu le rencontrer? Il n'est plus de ce monde. Et vous dites après. Vous n'avez pas pu consulter après 1940. Vous voyez? Il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Moi, je parle d'un personnage du 19e siècle. Les journalistes qui auraient été les mieux placés pour parler de lui, ce sont les gens de son temps. D'accord ? Évidemment, il faut multiplier les sources. D'accord ? Et là, vous me le procès d'intention que M. Combeau, à un moment donné, vous faisait. Les sources n'étaient pas utilisées suffisamment. Non, je ne fais pas le procès d'intention du tout, M. Eve. Je trouve que le sujet était merveilleux. De présenter cet article de l'album de Roussin. Et je trouve que le sujet est merveilleux et que... Je dis juste que peut-être on pourrait retrouver ce personnage dans une autre source. Pas forcément... Madame Jean-Baptiste, est-ce que vous croyez honnêtement qu'en vous parlant de Pas Benjamin, en utilisant l'album de Roussin, je n'ai pas consulté la presse pour pouvoir cerner s'il n'y avait pas des informations sur ce personnage. De plus, vous-même, vous alliez dire que la presse, les collections sont lacunaires. D'accord ? Toute la presse n'est pas communicable parce que la presse n'a pas toujours été conservée correctement. D'accord ? Donc, c'est un chantier, si on veut. On peut lancer pour le retrouver. Moi, dans les recherches que j'ai faites, je n'ai pas trouvé d'informations. Mais vous semblez dire que l'intérêt pour les Africains de cette société était les journalistes, hein, aimaient parler en des termes positifs, hein, de ce qui se faisait, alors que j'ai quand même dit que le coup met des gants.
Il dit qu'il s'agit d'une fantaisie. Donc, de le pardonner s'il présente ce personnage, il veut faire rire un petit peu, bon. Pour lui, ce n'est pas une biographie. Mais ça a le mérite de figurer. Il utilise une astuce pour pouvoir le présenter. Et vous pensez bien que si on était en train de se battre pour qu'il soit présent dans ce texte majeur, dans ce, ces volumes de l'album de Roussin, si c'était un personnage extrêmement connu et présenté dans la presse, eh bien, très certainement, l'équipe de rédactionnelle de l'album de Roussin ne l'aurait pas intégré. Voilà ce que je puis dire à ma modeste place. Tout ce que je sais, surtout, c'est que je ne sais rien. Voilà. Je vous remercie. Et moi, je dis juste que la recherche est surprenante. Et peut-être que ce personnage pourrait ressortir, je ne sais pas, peut-être dans une autre presse, une presse de l'île Maurice, quelqu'un qui serait passé et qui pourrait, parce que la recherche, elle est, ce n'est pas du tout une critique de votre article, hein, ni de votre recherche. Au contraire, quand vous parlez et quand vous faites des présentations, vous donnez juste envie de poursuivre et de poser la question. Merci beaucoup. Bon, on va passer la parole à d'autres personnes qui ont sûrement des questions très intéressantes. Sinon, moi, j'ai une question de J. Sialek qui pose la question suivante. D'après les sources historiques, est-ce que vous avez une idée du pays ou de la région d'origine de Pas Benjamin? Non, sinon, j'aurais donné cette information. D'accord. Donc, l'auteur de l'article n'est pas allé aussi loin. Et à partir du moment où on le présente uniquement avec ces données comme les fiches de recensement n'ont pas été conservées après l'abolition de l'esclavage, il est très difficile de retrouver les individus à partir de peu d'indices. Voilà. Très bien, d'autres questions? Madame Bayot, oui, Madame Bayot dans la salle voudrait poser une question. Bonjour Monsieur Prosper, merci pour votre travail magnifique comme d'habitude. J'ai une question. Pensez-vous qu'en faisant appel à cette survivance de notre mémoire culturelle, empreinte d'un passé colonial, on pourrait solutionner certaines problématiques contemporaines de notre île? Maillot, l'histoire, votre question est intéressante. Puisqu'elle nous force à sortir de nous-mêmes, d'accord? Moi, je travaille sur le passé, vous voyez? L'histoire, elle est là, pourquoi? On a l'habitude de dire, il faut connaître son histoire, un peuple sans racines, un peuple qui s'ignore, etc. Donc, si l'on veut construire une société solide, il faut que cette société ait une idée claire et des repères, une idée claire de son histoire. Donc, le travail que les historiens font, c'est un travail qui consiste à débroussailler le passé à partir des bribes d'informations qui restent, de la nécessité effectivement de multiplier les sources, puisqu'il n'y a pas grand-chose. Donc, de fouiller, de rassembler le maximum d'éléments avant d'arriver à une conclusion. Avant d'écrire, effectivement, il faut multiplier les sources. Mais parfois, les sources sont minimes. Est-ce que, parce que les sources sont minimes, il ne faut rien dire? C'est ça la question de fond. Mais, donc, ce que l'on fait, c'est pour aider les individus qui vivent à un instant T à se connaître, à s'aimer. D'accord? Et à partir du moment où ils se connaissent, ils s'admettent, c'est-à-dire qu'ils acceptent leur histoire avec ces moments heureux et ces moments malheureux, à partir du moment où ils acceptent leur histoire, ils sont en situation de réaliser des projets, de croire
en leur projet et de construire une société plus fraternelle, une société fraternelle et solidaire. Parce que vous voyez bien, vous portez des masques. Et vous avez peur de l'autre. Chut! Vous avez peur de contaminer l'autre. D'accord? Donc, vous, votre rôle est de construire une société vraiment fraternelle, dans laquelle les gens ne sont pas hypocrites. Ils soient vraiment solidaires. Où ce qui prime, c'est le faire avec. Au temps de Pas Benjamin, ce qui est important, c'est de faire avec. Pas Benjamin, bien sûr, il faut qu'il vive. Bien sûr, son maître lui dit qu'il va vendre du pain. Mais il essaie de vendre. D'accord? Donc, il essaie de trouver des clients. Donc, vous voyez qu'il réfléchit en son temps. Il a, dans sa peau d'esclave, une ambition, un projet. L'essentiel est de rentrer chez son maître, chez le boulanger, en ayant accompli sa mission. Donc, vous voyez très bien que quand on écrit l'histoire, on parle de tout. De tous les groupes ethnoculturels, de tous les individus, indépendamment de leur statut et de leurs conditions socio-professionnelles. Et c'est ensuite, eh bien, aux individus qui vivent à des instants T de l'histoire, eh bien, de prendre les matériaux du passé pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Voilà. Alors, je ne sais si j'ai été clair, Madame Maillot, mais si vous n'avez pas saisi un sens de mon propos, il ne faut pas hésiter à reformuler une autre question. Allez. Je crois que Vina oui. Balgobin a un commentaire. Vina? Oui, merci Bruno. Comme il y a beaucoup de jeunes et des étudiants dans le public, je souhaiterais juste apporter une petite information. L'enseignement de l'histoire, c'est important. Il y a des pays où on n'a pas encore commencé. À La Réunion, vous avez de la chance, c'est quelque chose de très bien établi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en science de l'éducation, la mise en place d'un curriculum ou du syllabus, ça prend énormément de temps. Il y a énormément de débats, il y a parfois des conflits, des guerres. Et c'est à la jeune génération de faire beaucoup de recherches pour décider finalement et arriver à se positionner pour dire ce qu'il faut insérer ou non dans les syllabus et les curricula. Donc c'était juste un complément d'information, c'était pour dire que vous êtes en avance en France, puisque, enfin vous êtes en avance, non, vous avez une grande tradition et c'est déjà bien établi qu'on enseigne l'histoire. Mais maintenant, je pense qu'il y a cette, vous le savez déjà, par rapport à l'esclavage et la colonisation, etc., il y a encore beaucoup de débats, ce n'est pas quelque chose de très de facile. Donc, la question était pertinente parce que beaucoup de jeunes ne voient pas l'intérêt de ce qu'ils étudient aujourd'hui. Mais pour moi, l'enseignement de l'histoire, c'est important. On ne peut rien effacer. On ne peut rien effacer du tout. Donc, il n'y a pas de sujet petit ou grand. La question, c'est comment se positionner pour faire intégrer des contenus dans le curricula. Voilà, merci. Très bien. Oui. Allez-y. Oui. Oui. Bruno. Oui. Raymond veut parler. Il lève sa main. D'accord. Merci. Oui, monsieur le professeur. Ma question est très prosaïque, très terre à terre. Ce que je voudrais, c'est pouvoir entrer dans votre atelier. Parce que je me dis, moi-même, je suis en train d'essayer d'écrire quelque chose, si tu veux une thèse, comment d'un document d'invocation, c'est rare, comment vous arrivez, je connais votre nom, mais malgré tout, je voudrais savoir, moi, comment vous arrivez
à partir de ces documents, ces écrits qui sont tout plats, là, sur un bureau, et faire vivre un personnage, j'ai cru le voir en train de vivre, s'animer. C'est comme bien souvent pour d'autres qui ont décrit Catherine Médicis, j'ai l'impression qu'ils étaient là, ils avaient vu, c'est de la même veine. Alors comment faites-vous? Parce que le mieux, vous pourrez passer des heures à la bibliothèque, mais voir un artiste dans son atelier, c'est à vous, serait vraiment beaucoup plus intéressant de savoir comment vous procédez pour faire vivre, faire sortir des archives, des papiers qui sont là normalement, et vous donner vie, et tout d'un coup, là, ça vit autour de nous. Merci. Alors, en écoutant Raymond Monjol parler, j'ai la possibilité de compléter la réponse que j'ai fournie tout à l'heure à Madame Fabienne Jean-Baptiste. Je ne la vois plus, elle est encore là. Oui, elle est encore là. En 1905, vous avez un article dans la presse qui parle du joueur de Bobre à Saint-Denis. Cet article a été repris ensuite dans le journal Le Progrès en 1947, mais c'est le même joueur de Bobre. D'accord ? Donc il y avait une tradition, enfin le travail qu'a fait Pas Benjamin n'a pas été totalement effacé, mais ce qui est présenté là au début du XXe siècle, eh bien c'est un joueur de Bobre, mais ce n'est pas Benjamin, puisque les marionnettes ne sont plus là. Pas Benjamin, c'était quelque chose de très raffiné, avec beaucoup d'improvisation, avec une participation du public. Et l'objectif, c'était de faire rire. Vous voyez, en général, quand vous arrivez ici, vous auriez dû avoir, vous voyez, un sourire aux lèvres. Et parfois, on voit sur vos visages, on vous dit, bien sûr, avec votre masque, on ne peut pas voir. Mais en général, on doit être joyeux. Et pas Benjamin, vivant dans une société guindée, il voulait faire rire les gens. Et vous voyez que même les petits-enfants ont compris le sens de son travail. Et les petits-enfants ont pu convaincre leurs parents, parents des familles aisées, pour éviter pas Benjamin à leur petit goûter. Vous voyez, peut-être certainement petite boum qu'on fait pour les anniversaires. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, vous faites des petites rencontres, les enfants invitent. Oui, ça existait déjà. Les enfants disaient, on ne veut pas Benjamin. Et les parents allaient le voir. Et puis Benjamin venait. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose de formidable qu'il a accompli en son temps. Alors, pour répondre à la question de Raymond Monjol, il me pousse à me dévoiler ce que je n'aime pas. Je n'aime pas parler de moi. Mais je répète aux jeunes qui sont là, vous ne ferez rien sans amour. Lorsque vous travaillez, vous devez être joyeux, content. Et ne pas dire d'emblée, c'est difficile, avant de commencer. Quand on est aux archives, on est joyeux. Ceux qui sont là doivent mettre en place les conditions pour que ceux qui viennent travailler soient contents d'y être, contents de revenir, d'être là même le samedi, même le dimanche. Et là, on a atteint son but. Il faut donc être content de travailler. Et de prouver qu'on s'aime. On est content d'être là. On n'avance pas comme un animal qu'on traîne à l'abattoir. On doit avoir foi en soi. Croire en son sujet. Aimer son sujet. Et quand on travaille en train de rassembler, on est content parce qu'on va produire quelque chose. Et quand on le fait, c'est pourquoi ? C'est par amour,
de son pays, par amour de cette terre généreuse, accueillante, qui a rassemblé ici des gens venus de tous les continents. Cette terre a été généreuse. Ce que tout un chacun doit faire pour cette île, chacun doit se demander, qu'est-ce que je fais pour cette terre qui m'a tant apporté? Donc, si vous vous aimez, si vous aimez ce que vous faites, vous prouvez que vous aimez cette île. J'espère Merci. Avoir apporté une réponse précise. Merci beaucoup, professeur F. Ça va, Raymond, ça va? Tant d'amour, nous devons respecter l'horaire et nous allons passer la parole à nos collègues de l'Université de Likungo qui vont nous parler de l'importance de la ville de Kélimane dans la traite négrière. Bruno, ici nous avons une personne qui demande la parole. Mais très brièvement. Alors, bonjour. Je me place ici parce que je vais répondre à la question de monsieur. Voilà. En fait, monsieur Prosper, il est trop modeste pour parler de lui. Et je vais apporter mon témoignage. Je pense que ses récits et son travail, même quand il parle de l'île et de ses personnages, sont différents. Et c'est aussi vibrant pour plusieurs raisons. Parce qu'il ressent, selon moi, les vibrations de cette île. Il est investi de ses personnages, transcende pour notre île. Et je pense qu'il est porteur de ce feu sacré, l'amour pour sa culture et sa terre. Merci, monsieur Prosper. Très bien, merci beaucoup madame. On va passer la parole à Alvaro, aux gens de l'Université de Likungo. Vous êtes là? Oui. Attendez, parce que Bruno, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, j'ai fait toute la traduction de la communication en français parce qu'ils vont parler en portugais. Alors, je vais partager mon écran déjà pour montrer... le résumé. Donc, j'espère que je... Est-ce que vous voyez le résumé? On ne voit qu'une partie. Attendez, je vais le remettre. Il devait être là. Une seconde. Toujours un cinquième de l'écran. On ne t'entend pas, Jean-Pierre. On ne t'entend pas. Maintenant, ça marche. Alors, ça peut être... On ne t'entend pas et nous ne voyons qu'un cinquième de ton écran d'ordinateur. Voilà, et maintenant, est-ce que vous le voyez ou pas, le résumé? Oui, c'est bon. Voilà. Alors, je vais leur parler en portugais parce qu'il faut qu'ils comprennent qu'après chaque paragraphe, c'est la question. Ok? Está a ouvir? Doutor Álvaro, está a ouvir-me? Está a ouvir-me? Acho que não.
Général, la connexion est très mauvaise. Bon dia, Tove. Quem vai apresentar é a colega Regina. On t'entend pas. A colega Regina é que vai apresentar. Alô? Janira, ton micro est coupé. Ton micro est coupé. Comment ça? Maintenant, c'est mieux. Maintenant, c'est bon. C'est bon. Le collègue Regina qui va parler. Oui, maintenant, pas souvent. Doutora Regina, tens palavra? Eu piso aí à frente. Janira, je pense qu'il faudrait qu'une seule personne intervienne. Des multiples voix ne font que créer de la confusion. Bon, alors, ce qu'on peut suggérer, c'est que dans ce cas-là, il faudrait que ils fassent, qu'ils lisent leur communication et ensuite je fais la traduction d'un coup. D'accord. Voilà. Ça ne va pas prendre une heure de temps, ça, si c'est 30 minutes, 30 minutes, toi? Ah ben oui, c'est ça le problème. Mais c'est préférable que tu le fasses parce que la majorité ne comprendront pas le portugais. Ou alors, on a une autre alternative qu'on peut leur proposer, c'est que je fasse la... que je lise la communication oui. En français. OK. Et ensuite, qu'ils répondent aux questions. D'accord. On leur propose ça. Oui. Bon, je vais leur traduire. Doutor Regina, Doutor Bo, estão me ouvir? Alô, estão me ouvir? Sim, eu estou a ouvir. Sim. Agora não sei a doutora Regina. Sim, mas há um problema. É que devido à conexão que está muito complicada, não pode haver duas vozes a falar ao mesmo tempo. Portanto, o presidente da mesa, o que ele propõe é que eu leia a tradução da vossa comunicação e em seguida vocês intervenham para o debate. Porque em matéria de tempo não dá para fazer a comunicação em português completa e depois ler a tradução em francês completa. Porque a maior parte do público ninguém compreende português, portanto tenho que falar em francês. Vocês estão de acordo? Sim, sim. Sim, então pronto. Então eu vou ler em francês, eu traduzi escrupulosamente e portanto em seguida vocês responderão às perguntas e eu traduzirei as perguntas. Está bem? Está bom. Pronto, muito obrigado. Ok. Ok, Janira, tu as 30 minutes. Voilà, je commence. Oui. Alors, donc tout le monde a déjà vu le résumé. Alors, l'histoire de la ville de Quelimane doit être envisagée dans un contexte de rencontre entre peuples et cultures, multiculturalisme. Cette communication se propose d'aborder l'importance de la ville de Quelimane dans le commerce des esclaves en soulignant le patrimoine culturel suivant. Le port de Quelimane, l'actuelle école secondaire Patrice Lumumba et la vieille cathédrale, mémoire de l'esclavage dans la région du Zambèze. L'objectif de la communication est de créer un moment de réflexion autour des mémoires culturelles de l'histoire. La communication a été possible grâce à la bibliographie indiquée et à la collecte d'informations. Elle aborde deux points principaux. Le premier, un rapport avec l'histoire du patrimoine, et le second, où l'on essaiera d'établir un dialogue avec le patrimoine culturel qui a servi les objectifs du commerce des esclaves.
L'esclavage est un phénomène très ancien qui ne peut qu'être parfaitement saisi dans l'espace et dans le temps. Sylvain Apoud-Pachek, 2008, mentionne la thèse de Carl Jacobi qui défend la domestication animale comme inspiratrice de l'esclavage de l'homme. Ainsi, avec le développement de l'agriculture et la nécessité de main-d'œuvre, les prisonniers de guerre auraient été utilisés comme des animaux pouvant être domestiqués et contrôlés. De son côté, Sylvain Apoud-Pachek n'est pas d'accord avec cette idée. Selon lui, c'est le contraire qui s'est passé. L'homme aurait d'abord asservi son semblable et ce n'est qu'après qu'il aurait domestiqué les animaux. Mais il soulève aussi une autre hypothèse. Le procès d'asservissement aurait eu lieu en simultané avec la domestication animale, comme ce fut le cas en Amérique et en Afrique subsaharienne. Selon Sylvain, l'image des animaux qui approchaient les restes des aliments finissait par s'en accommoder de cette situation. Il se serait passé le même avec les survivants de guerre qui souvent rejoignaient les vainqueurs et acceptaient l'esclavage. Dans l'optique du matérialisme dialectique, Marx défend l'idée que les inégalités économiques et politiques ont leur origine dans les relations économiques de production. Ainsi, selon Marx, avec l'appropriation de l'excédent de production par les élites, on initie la domination et l'exploitation d'un groupe humain par un autre groupe. Dans ce contexte, les esclaves sont devenus la propriété des détenteurs du pouvoir économique, devant se plier au bon vouloir de leurs propriétaires. Ainsi, dans l'optique de Wedderburn, l'action d'une élite avec des intérêts divergents de la plupart des membres de la société et ses dispositifs de coercition alliés à l'apparition de structures politico-administratives de commandement furent à l'origine de la division de la société en catégories antagoniques, caste-classe, en produisant dans ces complexes problématiques l'esclavage et les mécanismes qui restreignent la liberté de l'être humain. Ainsi, on perçoit l'esclave comme un individu qui vit dans un état d'absolue servitude, Pachek 2008. Cette relation de servitude serait caractérisée par la violence depuis sa capture et pendant son asservissement quotidien, Sylvain 2008. Dans l'optique de Pachek, il convient de distinguer deux aspects. Le premier concerne une société qui présente l'esclavage comme étant un aspect marginal dans cette société et le second comme une institution structurée. Sur ce classement, Esteves, en se référant à l'œuvre de Paul Louvejoie, L'esclavage en Afrique, dit que pour caractériser une société de moyens de production esclavagiste, il faut identifier trois formes d'esclavage. La première, qu'il appelle incidentale, caractérise une société avec peu d'esclaves qui ne fondent pas son économie sur leur travail. La seconde forme, appelée institutionnelle, concerne une société où les esclaves sont employés de façon massive dans la production, dans le monopole du pouvoir et dans la servitude domestique. Finalement, il y aurait une troisième forme d'esclavage à qui il donne le nom de moyen de production esclavagiste. En se référant spécifiquement à l'implantation de l'esclavage en Afrique, Esteves, reprenant les idées de Lovejoie, dit que le continent africain fut l'une des principales sources d'esclaves depuis l'Antiquité, ayant comme destinée à différentes périodes historiques plusieurs civilisations anciennes, le monde islamique, l'Inde et les Amériques, ce qui montre que l'esclavage n'a pas commencé sur le continent africain avec l'arrivée des Européens. Cependant, quoique l'esclavage n'a pas été introduit sur le continent africain par les Européens, l'arrivée de ces derniers a eu un grand impact dans les transformations économiques et sociales en Afrique. Les Européens introduisirent le commerce atlantique, ce qui a entraîné une augmentation des esclaves dans les sociétés africaines, mettant à la disposition de celles-ci des produits inconnus, créant des changements économiques, sociaux et politiques. À partir de ce moment, l'esclavage est devenu une institution fondamentale et non incidentale. Louvejoie, Apud et Esteves, 2008. Ainsi, la production économique dans certaines régions africaines a commencé à dépendre du travail des esclaves, le pouvoir politique utilisant dans les armées et dans le commerce externe les revenus de la vente des esclaves, qui est devenue une importante source de revenus pour le continent. Quatre régions africaines ont eu de l'importance dans le trafic des esclaves. L'Afrique centre-occidentale, Congo et Angola, la côte des esclaves, le golfe du Bénin, la côte de l'Or et la baie du Biafra. Outre ces régions où le commerce des esclaves a été très important, nous avons une arrivée tardive de ce trafic au Mozambique.
selon Capelle et Modège, 1989, l'incorporation tardive du Mozambique dans le trafic, en comparaison avec l'Afrique occidentale, s'explique pour des raisons de rentabilité. Selon ces auteurs, pendant les XVIIe et XVIIIe siècles, les bénéfices du commerce de l'ivoire avec l'Inde rendaient inutile le trafic des esclaves à grande échelle. Une situation différente de ce qui s'est passé au milieu du XIXe, où ce trafic a atteint son point culminant. Au Mozambique, l'existence d'une forme typique d'organisation sociale appelée Praj, dans la région du Zambèze, zone centrale du Mozambique, a facilité l'assujettissement des indigènes à l'esclavage, surtout quand les marchands portugais se sont emparés de ces prages. Ainsi, selon ces auteurs, cette région fournit le plus grand nombre d'esclaves du Mozambique. Le Brésil importa entre 1825 et 1830 plus de 51 000 esclaves vers Rio de Janeiro, originaires de Quelimane. En ce qui concerne le commerce d'esclaves au Mozambique, Quelimane a eu un rôle très important. La section qui suit fait référence au rôle de ce district dans le trafic négrier. On souhaite montrer la fonction de ce patrimoine culturel du XVIIIe jusqu'au XIXe siècle dans le commerce des esclaves. Donc, Quelimane dans la route des esclaves, port de Quelimane. Dans les années 1600, Quelimane est devenu le port d'entrée du Zambèze. La ville donnait accès à une vaste zone desservie par le fleuve qui faisait l'objet d'un monopole royal du commerce accordé au capitaine général du Mozambique ou géré par des institutions de la couronne, gens du commerce et conseil de l'intendance de l'Inde. Son agent dans le port était le facteur du commerce, un des principaux fonctionnaires du village, à l'image du grand capitaine et du juge. Dans le port, les marchandises étaient transférées sur des canaux qui naviguaient sur le fleuve. Comme indiqué par Isabel Castro Henrique, c'est 2013, dans son livre « Lieux de mémoire de l'esclavage et du trafic négrier, Angola, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Mozambique, Saint-Thomé et Príncipe », à la fin du XVIe siècle, les Portugais installés sur l'île du Mozambique, où ils recevaient des marchandises venant de l'Inde et coordonnaient le mouvement maritime et commercial, visaient et faisaient régulièrement du commerce avec les ports du Sud, avec Inhambane en particulier. Mais la vallée du Zambèze et les villes de Sena et Tete furent particulièrement recherchées par les Portugais, qui développèrent un commerce actif, dans lequel l'esclavage prit une importance croissante, servi par le port de Quelimane. José Capella, 1987, explique à son tour l'intérêt du gouverneur de Quelimane, Vasconcelos Essine, pour le commerce des esclaves. Il rapporte que celui-ci réussit à ce que toute la navigation passe par le port de Quelimane et que le port ne soit pas assujetti à la douane du Mozambique. Il a aussi réussi à développer l'exportation d'esclaves. De 1814 à 1820, sont sortis du port de Quelimane 15 055 esclaves vers les destinations suivantes. 7497 vers Rio de Janeiro, 2678 vers Bahia et 4800 vers Pernambuc. En dehors de ceci, 3267 sont restés au Mozambique et les négriers y ont payé des droits. En 1814, le premier navire lia directement Rio de Janeiro à Quelimane. En 1815, deux autres navires sont allés au Mozambique. Ensuite, 6 ou 7 y sont allés annuellement, mouillant directement dans le port du Zambèze. Le chiffre était toujours supérieur à celui de ceux qui allaient au Mozambique. Sirne est aussi arrivé à dévier le commerce maritime de la capitale vers Quelimane en s'appuyant sur le commerce négrier, Capella, 1987. Quelimane, Angoche, Inhambane, l'île d'Ibo et les îles Kinimba étaient au XVIIIe siècle les principaux ports exportateurs d'esclaves, échangés pour de la nourriture, des armes à feu, de la poudre et de l'argent espagnol, en l'occurrence des patacas. Jusqu'au début du XXe siècle, le commerce clandestin des esclaves a gardé son dynamisme et les formes clandestines, serviteurs pour Saint-Thomé, travailleurs sur contrat vers les plantations françaises de l'océan Indien ou vers les mines de Rhodésie et de l'Afrique du Sud, se sont multipliés, donnant un nouvel élan à la violence et à l'exploitation humaine. Alors, dans ces lieux de mémoire, l'école secondaire Patrice Lumumba
L'édifice où fonctionne l'école a été construit avec un but commercial. Il fut construit en 1817 afin de servir de douane et servir d'entrepôt commercial et de vente d'esclaves vers les États-Unis, Cuba et le Brésil. Le lieu fut utilisé comme entrepôt d'esclaves à la fin du 18e siècle, au début du 19e avec l'intensification du commerce des esclaves. Les esclaves y attendaient avant l'embarquement. L'église Nossa Senhora do Livramento, traditionnellement appelée cathédrale Velha, vieille cathédrale, située dans la ville de Quelimane, au bord du fleuve de Bom Sinais. L'église aurait été construite entre 1776 et 1786 par ordre du gouverneur et capitaine général Balthazar João Pereira do Lago. Une inscription indique un arrêt des travaux qui recommencèrent 10 ans plus tard par ordre du nouveau gouverneur Antônio Manuel de Malecastro. Elle est devenue monument national par décret du 3 août 1943. Point 4, dialogue avec le patrimoine culturel. Quand est-ce que deux sujets de l'histoire, dialoguent? Ils dialoguent quand il y a reconnaissance et respect mutuel. Ils ont dialogué quand ils ont réussi à se subjectiver à partir de l'abolition de l'esclavage du 19e siècle, permettant ainsi que les deux catégories, l'esclave et le non-esclave, puissent devenir des sujets libres et citoyens, sujets actifs de l'histoire. L'histoire, de son côté, devrait dialoguer avec elle-même pour faciliter son appréhension par des sujets qui cherchent à reconstruire leur propre passé. Le dialogue est ainsi l'espace de confrontation de deux situations de pensée. L'une où nous acceptons l'histoire de l'esclavage qui a privilégié l'acculturation et la négation du moi car elle comporte quelque chose d'important à racheter pour réfléchir et la réévaluer. L'autre nous la nions car la pensée esclavagiste n'a rien à partager de nos jours. Le professeur Outhui, en préface à l'œuvre de Castionneau 2010, référenciant la philosophie africaine, déclare « L'afrocentrisme et l'ubuntuisme, représentés comme référentiel de subjectivité, se fondent sur des présupposés très différents. Le premier place les idées africaines au centre de n'importe quelle analyse qui enferme la culture et le comportement africain. Le second est un mouvement plus ouvert qui incorpore sans remords des valeurs étrangères de façon constructive. Dans cette perspective, nous devons nous questionner de manière introspective si nous voulons l'afrocentrisme ou un modèle ouvert et subjectif comme alternative pour pouvoir dialoguer avec l'histoire de l'humanité. Le courage mis en œuvre dans les dernières années en vue d'ouvrir le dialogue avec notre histoire a montré qu'il s'agit d'une initiative très valable pour amender et reconstruire le tissu social des Mozambicains. L'histoire doit sortir du factuel vers des espaces de la subjectivité qui ouvrent la voie du dialogue interculturel. La pensée des Africains et celle des Mozambicains en particulier doit se décentraliser du moi pour ne pas s'isoler de la globalisation. L'enjeu de l'histoire de l'esclavage était la recherche de la liberté et la reconnaissance du sujet africain comme acteur de sa propre histoire. Le problème de la liberté est apparu avec la nécessité de reconnaître l'autre africain en tant qu'être humain aussi libre que l'autre européen. C'est cette liberté qui posa problème dans l'oppression de l'autre, que l'autre moi ne reconnaît l'autre comme être humain. Christian nous dit ainsi dans ses travaux. Les rencontres précoloniales du moi africain avec l'autre asiatique furent de type matériel, car ils furent fondés sur le respect mutuel des sujets. En contrepartie, la rencontre entre le moi africain et le moi européen s'est traduite par une domination du corps et de l'âme. Il n'exista pas d'espace pour la reconnaissance de la dignité du moi africain. C'est pour cela que le moi africain entreprend de changer les moyens de reconquérir sa reconnaissance, sa dignité et au final sa liberté comme sujet de son histoire et pensée. Nous prétendons en plein XXIe siècle entrer dans la modernité en tant que sujets actifs avec une histoire singulière et pour cela la liberté conquise dans le passé doit être encore reconquise en créant de nouveaux paradigmes. Autrement dit, en parlant de soi-même, en construisant un discours à part entière sur son existence.
l'histoire prend de sens si elle est élaborée dans un contexte de dialogue subjectif, un dialogue qui met au premier plan la catégorie ontologique de l'autre comme être humain, pour ensuite, sur un second plan, collectif et social, celui de l'histoire, nous aider à réinterpréter l'histoire de l'esclavage. La relation triangulaire d'un monument, une vision pour l'avenir. L'histoire de la ville de Quelimane, province du Zambèze, doit réévaluer son patrimoine en prévision de l'avenir, car, d'après les connaissances actuelles, nous constatons en effet que ces monuments dans le passé dialoguaient entre eux selon une certaine dynamique, entrepôt marchand, église, port et vice-versa. Les esclaves qui arrivaient à l'entrepôt y demeuraient dans l'attente de leur propriétaire. Ils étaient ensuite conduits à l'église, où la conversion au christianisme avait lieu, ainsi que la réception du nouveau nom. On les conduisait ensuite au port où ils étaient embarqués vers de nouvelles terres. Au port arrivaient également des marchandises venant d'Europe et des Amériques, acculturation. Celui-ci fonctionnait comme la porte d'entrée vers Quelimane et son internat. Considération finale, donc conclusion, l'histoire doit sortir du factuel vers les espaces de la subjectivité qui ouvrent l'homme à un systématique dialogue interculturel. L'enjeu dans l'histoire de l'esclavage était au fond de la recherche de la liberté et la reconnaissance du sujet africain ou macaque social de sa propre histoire. L'histoire gagne du sens si elle est élaborée dans un contexte de dialogue de plusieurs subjectivités. La question de fond posée par ce colloque international est justement de nouer un dialogue avec l'histoire de l'esclavage. Merci et je m'excuse des quelques fautes d'accord et quelques sauts de l'ordinateur parce que le fait d'avoir écrit directement sur le document qui m'a été fourni a fait que il y a systématiquement des petits problèmes et hélas comme j'ai fait ça la veille de cette rencontre, je n'ai pas eu le temps de faire une révision plus approfondie. Donc, veuillez m'en excuser. Et voilà. Ah. Bon. Bon. Dejanira, merci beaucoup pour cet exposé sur ce panorama de la région du Zambèze. Et surtout pour la traduction. Je ne crois pas que ce soit aussi évident que ça paraisse. Alors, je laisse la parole directement aux participants pour pouvoir poser leurs questions. Des questions ? Je ne poserai pas de questions, mais je tiens personnellement à remercier le général Couteau pour cette traduction qu'elle a réalisée dans des conditions assez strictes et rapides. Hein. Puisqu'elle a eu le texte hier entre les mains, et au nom du public qui est ici présent à la Réunion, et au nom de l'Association historique internationale de l'océan Indien, je tiens vraiment à lui présenter mes félicitations, et je tiens aussi à féliciter nos chercheurs du Mozambique qui, pour la première fois, participent à cette semaine de l'histoire de l'Indienne-Océanie. Merci infiniment à tous, merci à Regina Camino et son équipe, merci encore une fois à Couteau de Janeiro. On attend vos questions sur le commerce d'esclaves dans le port de Quelimane. Oui, bonjour. Je voudrais... Ah oui, d'accord. Oui, alors j'aurais deux questions. J'aurais souhaité savoir si l'auteur peut revenir sur les transits et les lieux de destination des esclaves qui ont quitté ce port. Notamment, comme il avait parlé, à partir du XVIIe siècle. J'aimerais savoir s'il y en a eu vers l'Amérique du Sud. Dr. Bou, origine, perguntei-lhe a propósito do trânsito e dos lugares de movimentação dos escravos, se houve também exportação de Quelimane para a América do Sul. Estão a ouvir-me? Sim, sim. Sim, sim. Portanto, a propósito destes lugares de trânsito,
e movimentação, se houve também exportação de escravos de Kliman para a América do Sul. Bem, muito obrigada. Consegue ouvir-me? Sim, sim. Perfeito. Dizia obrigada. Antes de mais, agradecer pela tradução, professora. Agradecer também, porque, na verdade, para nós é um desafio muito grande. Primeiro, por causa da própria situação da pandemia, que em algum momento nós estamos distantes. A equipe toda está separada. Uns colegas estão em Kimana, outros eu estou em Maputo e o outro colega encontra-se no Brasil. Então, a conexão foi mesmo muito difícil, mas felizmente conseguimos cá estar. A outra questão também é mesmo a dificuldade da língua, que para nós é um desafio enorme. Indo diretamente à questão que foi colocada, de fato, para a América do Sul, falávamos ali do Brasil, saíam homens que foram transformados em escravos para o Brasil. Citamos, por exemplo, o caso de Pernambuco, como uma das cidades que recebeu muitos homens de Kilimani que foram transformados em escravos de Kilimani para a América do Sul. Uhum. Não sei se o Dr. Bo tem alguma coisa a acrescentar. Portanto, não para outras zonas da América do Sul, além do Brasil. Obrigado. Não sei se estão a ouvir. Sim, sim. Sim. Olhando a ideia de que o comércio de escravo era feito entre os portugueses e com a colaboração, uma parte de traficantes brasileiros que estavam na coroa do Zambeze e também alguns franceses. Então, eles vendiam os escravos para os italianos que estavam nas plantações do Brasil e não iam mais para o sul, como Cuba, como Uruguai, Argentina, não iam. Uhum. E eu agora que estou cá no Brasil, o que está acontecendo é que acabei percebendo que todos os escravos que vinham de Moçambique, eles iam à Bahia, iam a Rio de Janeiro, iam a Pernambuco, mas depois todos também iam recolhidos, estão mais próximo onde eu, no estado onde eu estou, todos eram recolhidos para Pelotas. Por quê? Agora estando cá estou a perceber a história. Por quê? Porque vinham de Moçambique, concretamente de Quelimane, escravos que tinham uma altura média, e esses depois eram orientados para Pelotas, onde existiam grandes farmas e que também a criação de gado era muito grande. Então, eles eram orientados para serem pastores de gados. Ah, sim. Pronto. Obrigada. Sim. Olha, então, posso traduzir, não posso? Sim. Pode. Oui, d'accord. Alors, pour répondre, ils ont surtout répondu à la deuxième question plutôt que la première. En ce qui concerne l'exportation des esclaves, alors c'est le Brésil qui a été effectivement dominant. Il n'y a pas eu d'exportation de Quelimane vers d'autres régions ou d'autres zones de l'Amérique du Sud. Et en ce qui concerne Kilimane, la direction de ces exportations d'esclaves a été vers Pernambouc, donc c'était vraiment la ville dominante, suivie de Bahia, donc Pernambouc-Bahia. Et comment on comprend cette direction très, très prédominante vers le Brésil? D'une part parce qu'il y avait des commerçants brésiliens qui étaient à Quelimane avec les Portugais et donc qui encadraient ces exportations, ce mouvement de vente d'esclaves. Et puis aussi pour une autre raison, c'est que ces esclaves au Brésil
était aussi dirigé vers des zones où il y avait de l'élevage et où il y avait des grandes fermes. Et il fallait que la hauteur, disons la taille des esclaves soit assez grande. Donc il fallait des esclaves de grande taille. Et donc apparemment à la région de Quelimane fournissait ces, disons, ces types d'esclaves. Et c'est pourquoi ces zones de grande d'élevage au Brésil réquisitionner ces esclaves venus de Quelimane. Voilà ce qui a été dit. Très bien. Est-ce que le public a d'autres questions? D'autres questions de la part du public? Juste une remarque. À propos de l'esclavage au Brésil, avant l'esclavage noir, il y avait un esclavage essentiellement composé des Italiens. Alors, je voudrais demander à nos collègues du Mozambique s'ils ont pu avoir, lors de leurs investigations dans leur recherche, s'ils ont pu avoir donc des informations sur cette première utilisation d'esclaves italiens avant l'arrivée d'esclaves africains. Parce que j'ai vu souvent cette information, mais jamais j'ai pu voir, j'ai pu creuser la question. Alors, c'est une occasion aujourd'hui, étant donné qu'on parle du Brésil et de l'esclavage. Est-ce que quelqu'un parmi vous peut m'éclairer là-dessus? Merci. Merci beaucoup. Há uma outra pergunta a propósito que, portanto, o colega gostaria de saber se nas vossas investigações antes da escravatura tal como a conhecemos, ela viu algumas referências a propósito da eventual presença de escravos italianos no Brasil. Será que nas vossas investigações encontraram algumas referências à possibilidade destes escravos italianos? Sim, não sei se eu falo a doutora Regina. Pode falar, doutor Bobo, pode falar. Sim, aquilo que a nossa investigação e aquilo também que a história indica, no Brasil não haviam escravos italianos. Mas, no entanto, Portugal, não conseguindo explorar e ocupar todo o território do Brasil, ele teria feito, digamos, alguns contactos com vários países da Europa. Quem está cá no Brasil consegue perceber que existe uma comunidade muito forte de italianos, de alemães, de franceses, então, de ingleses. Então, esses vinham justamente para desenvolverem a atividade industrial, a atividade, de agricultura. Outros vinham como grandes senhores que queriam ocupar o Brasil e desenvolver uma parte. Então, os italianos, basicamente, eles chegaram para ocupar zonas onde era bastante arável, principalmente o sul do Brasil, é uma comunidade italiana muito forte. Então, eles eram os grandes latifundiários, que tinham a concessão de grandes terras, e aí
até então existem os italianos que são grandes farmeiros e que, claro, são descendentes agora. Mas a história já não indica que não havia escravos italianos, não. Sim. Sim. Só os escravos vinham de Angola, vinham de Benin, vinham de Moçambique, e todos esses eram orientados para as plantações e também as indústrias para o Brasil. Oui, obrigado. Vou traduzir então. Non, donc dans les recherches, aucune source, aucune évidence de la présence d'esclaves, enfin d'Italiens au Brésil. Les Italiens arrivent effectivement un peu plus tard, mais comme des colons, au même titre que les Portugais. Et ces mêmes Italiens vont devenir des grands propriétaires et vont eux aussi importer des esclaves pour leurs grandes propriétés, notamment dans le sud du Brésil. Et il faut comprendre aussi que les Portugais étant finalement n'ayant pas, disons, colonisé tout le Brésil, ont multiplié les contacts avec d'autres, disons, avec d'autres pays et avec d'autres Européens pour aboutir à la colonisation du Brésil. Et ce fut donc le cas des Italiens. Donc les Italiens apparaissent effectivement, mais comme des colons et propriétaires d'esclaves et non pas comme esclaves. Je voulais seulement demander ceci parce que je pense qu'il y a une hiérarchisation sociale entre Européens aussi, parce que j'ai lu donc des informations là-dessus, que les Italiens étaient peut-être pas, comme le dit le monsieur, ils n'ont pas un statut d'esclave, mais ils étaient infériorisés. Et les Portugais n'avaient pas beaucoup de, ne voulaient pas de contact avec eux. Et c'est la même chose aux États-Unis d'Amérique. Les Italiens sont classés comme les Juifs, les Noirs, les Irlandais, les Catholiques. Il faudra attendre les effets de la Première Guerre mondiale et surtout de la Deuxième Guerre mondiale pour que les Italiens puissent être considérés comme les autres, et encore, hein, parce que je vois dans le vécu quotidien, il y a une différence aussi entre Européens, hein, entre Caucasiens, on ne peut pas dire Européens parce que ce sont des Américains, mais des Blancs d'origine caucasienne. Et même le terme, et là, ça me permet de préciser qu'aux États-Unis, dans les bureaux d'immigration, vous avez donc une catégorisation des gens d'origine africaine, etc. Mais pour les gens qui viennent d'Europe, pour faire la différenciation entre le mot slavus, slavi masculin, qui était, comment dire ça, réservé aux gens de l'Europe de l'Est aujourd'hui, mais que les Romains appelaient donc des Slaves, ils ont fait une différence. De peau blanche, vous êtes d'origine caucasienne. Mais les autres, étant donné qu'ils sont venus en Amérique en tant qu'esclaves, le mot slavus, slavi, est réservé pour les Afro-Américains. Voilà, j'ai expliqué ça à mes étudiants américains et ils ont compris. Oui, parce que là, on ne fait pas la différence. Alors, c'est une occasion pour moi de le dire. Et les Italiens, je pense vraiment qu'il y a eu une différenciation énorme au Brésil avec les Portugais qui étaient les maîtres du monde avec les Espagnols. Et les autres
qui est arrivé après. Et c'est l'esclavage. L'esclavage est devenu noir, mais en fait, il y a des degrés d'intensité dans, comment dire ça, dans la domination des uns et des autres. Merci beaucoup, Jacqueline. Je tenais à l'expliquer parce qu'il faut vivre aux États-Unis pour voir la différence. Je ne suis jamais allée au Brésil. Non, merci, merci. Oui, pour respecter l'horaire, est-ce que je dois encore traduire aux collègues ce commentaire de Jacqueline? Tu pourras traduire après, Sylvie. D'accord, ok. Muito obrigado. Eu traduzirei depois o comentário, porque não há uma pergunta, este comentário final da colega. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Parce Mas que há um pequeno comentário que eu queria também deixar, no sentido de que... Claro, há uma diferença. Eu conversei com algumas famílias, há uma diferença. Os italianos que chegavam no Brasil, chegavam pobres. E eles iam no interior do Brasil porque a intenção era ocupar terras. Então, justamente a diferença é essa. Eles não ficavam na cidade, eles entravam no interior porque a intenção deles era desenvolver a terra e vinham sem nada. E eram entregues de katana, enxada e por aí deviam já desbravar a terra para a agricultura. Obrigado. Obrigado. Donc le commentaire du collègue mozambicain est juste pour ajouter que la différence de statut des Italiens, en fait, c'était uniquement parce que les Italiens ne restaient pas au Brésil, hein, ne restaient pas dans les villes. Ils partaient dans les campagnes justement pour, disons, travailler les terres et pour former leur propre ferme. Voilà, donc à différents statuts, c'est urbain, rural, si on ose dire, à propos des Italiens. Ok, merci beaucoup Déjanira. Prosper? Professeur Eve? Professeur Eve, vous m'entendez? Merci, merci. Obrigada. Professeur Eve? Prosper, tu m'entends? Non, non, on n'a plus le temps pour les questions là. Une dernière, pardonnez-moi, une petite très, question. Très, qui très sera brève présente, alors. Mais très très brève, bien entendu. Ça porte sur le patrimoine qui est lié à l'histoire de l'esclavage. Je voulais savoir s'il y a des projets de revalorisation, des projets culturels liés à ce patrimoine, donc de l'église construite au XVIIIe siècle, et puis cette école également qui était un entrepôt d'esclaves. Est-ce que ce sont des éléments patrimoniaux qui sont pris en compte dans le cadre d'une avec l'histoire de l'esclavage, le travail mené avec les scolaires, voire éventuellement l'intégration par rapport à une offre touristique, culturelle, pour faire comprendre aussi cette histoire, qui est une histoire qui doit être connue. Donc, politique de conservation de ces bâtiments, est-ce qu'il y a des projets dans l'air Dr. Beau, a pergunta é apenas para saber se há projetos de patrimonialização no que diz respeito a estes monumentos que vocês apresentaram, com, digamos, no âmbito de projetos turísticos ou de revalorização patrimonial, se há algo que está projetado neste sentido. Sim, sim, eu vou responder rapidamente. Sim, muito rapidamente, por favor. Existe sim, porque o armazém que era dos escravos já foi nacionalizado desde 1975, já é a escola secundária, Patrício Lumumba. A catedral, ela, por ser velha, ficou um tempo sem ser usada, mas ganhou um financiamento, é um patrimônio cultural, vai ser um espaço de cultura, de divulgação de espaços, até vão transformar uma parte para o espaço de casamentos. Então, e o Porto de Quelimane já vem funcionando desde a independência. Não foi posto de lado. Obrigado. Obrigado. Então, sim, efetivamente... Eu gostava da minha Oui. Il y a des projets de revalorisation
Alors, l'entrepôt a été classé en 1975, mais les projets de revalorisation concernent surtout la vieille cathédrale qui a été abandonnée pendant très très longtemps, mais qui vient d'obtenir un projet de financement pour être restaurée. Et donc pour devenir lieu, disons, de projets, d'initiatives culturelles. Et en ce qui concerne le port de Quélimane, il y a aussi des projets de revalorisation de toute cette partie de Quélimane. Mais le plus important, c'est effectivement le projet concernant la restauration de la vieille cathédrale. Bon, merci beaucoup à tous. Donc maintenant, je vais passer la parole à Jacqueline Ravaloman, qui sera la prochaine présidente de séance. Jacqueline? Alors, Bruno. Oui? Comme on avait quelques soucis au niveau de la connexion et comme on ne savait pas comment ça allait se passer, j'ai décidé de prendre la présidence pour éviter les problèmes de connexion. D'accord. Voilà. Donc, sans plus tarder, je pense que M. Idriss Mamaï, docteur en histoire, qui travaille madame, à l'université... Madame, Idriss Mamaï, qui travaille donc à Paris, et avec nous, présenter un exposé sur, qui s'intitule « Ordre du temps et mémoire réparatrice à Mayotte, déni et réhabilitation de l'histoire de l'esclavage dans le nouveau département » d'outre-mer au début du XXIe siècle. Pas les connecter. Mamaï, tu es là? Est-ce que Serge Boucher pourrait lui envoyer un message? Oui, d'accord. Je lui ai envoyé un message hier soir pour lui dire qu'elle avait demandé si elle passait à 11h15. Je lui ai bien dit c'est 10h45, 11h15, c'est le débat. Mais elle ne voulait pas se connecter écrit, plus tôt. Elle a écrit en disant qu'elle est en attente là d'entrer dans la salle, donc ça doit se faire dans un instant. D'accord. Elle attend que la séance Zoom l'accepte. D'accord. Je pense qu'elle doit être sur le mauvais lien, je lui renvoie. D'accord. Oui, sur un lien, elle est sur un lien qui finit par T09. Attends, je vais envoyer le... C'est pas le bon, je renvoie à l'instant. Là. D'accord, merci. Mon pays, 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 mon
Oui. Elle est là. Madame Idriss Mamaï, eh bien, vous êtes en direct à La Réunion. Vous allez nous présenter un exposé qui a pour titre « Hôte du temps et mémoire réparatrice à Mayotte, déni et réhabilitation de l'histoire de l'esclavage dans le nouveau département d'outre-mer au début du XXe siècle ». Je vous dis bonjour et la parole est à vous. Je vous remercie et toutes mes excuses pour ce retard. Je me suis connectée sur un lien qui n'était pas le bon. Donc, je tiens tout d'abord à remercier M. Prosper-Ève de me donner l'opportunité de présenter mes recherches dans le cadre... Alors, j'ai partagé mon écran parce que ça sera beaucoup mieux. Hop. Excusez-moi. Hein. Voilà, c'est bien. Donc, je tiens à remercier tout d'abord M. Prosper-Ève de me donner cette opportunité de présenter mes recherches hein, dans le cadre de la Semaine de l'Histoire à La Réunion, ainsi que Bruno Cugna pour sa complicité. Je dois préciser tout d'abord que l'histoire de l'esclavage est un domaine qui n'est pas au centre de mes recherches. J'ai travaillé sur un mouvement de femmes appelées les chatouilleuses, sur lequel... j'ai consacré une thèse que j'ai soutenue l'année dernière à l'université de Paris Diderot, direction de Farah Razaona et Sophie Blanchy. Et c'est dans ce cadre que j'ai été amenée à réfléchir à l'histoire de l'esclavage au détour de mes recherches hein, sur ce mouvement de femmes. Et c'est précisément lorsque je me suis intéressée au processus mémoriel, au processus mémoriel relatif à la lutte menée par les chatouilleuses de nos jours, que j'ai été amenée à réfléchir au régime d'historicité à Mayotte, hein, expression que je tire de François Hartog et sur laquelle je reviendrai, hein, c'est-à-dire à la définition d'un ordre du temps propre à Mayotte. Et bien sûr, dans ce régime d'historicité, pointe l'histoire de l'esclavage inhérent à l'histoire de la région indienne-océanique. Donc c'est au travers de l'exhumation de mémoire locale que je me suis rendu compte de dissonance et de divergence entre une histoire officielle, celle diffusée par les institutions françaises, hein, dans l'enseignement notamment, et une autre histoire transmise dans le halo, sous le halo des mémoires locales. D'où l'intitulé de ma communication « Ordre du temps et mémoire réparatrice à Mayotte » entre déni et réhabilitation de l'histoire de l'esclavage dans le nouveau département d'outre-mer. Le fil conducteur de ma présentation pourrait être formulé selon la question suivante. De quelle façon l'histoire de l'esclavage est-elle manipulée, remodelée et appropriée par la population mahoraise? Et de quelle façon entre-t-elle en conflit avec l'histoire officielle ou en contradiction? Alors, juste pour situer rapidement le contexte, hein, le mouvement des chatouilleuses, c'est un mouvement qui naît dans les années 60, hein, qui est à l'origine d'une forte mobilisation sociale sur l'île de 1966 à 1976, date de la séparation de Mayotte de l'archipel des Comores. C'est un mouvement majoritairement féminin, hein, dont la centralité est d'autant plus forte aujourd'hui que le statut de département français à Mayotte procède, hein, découle de cette forte mobilisation féminine. Alors pourquoi chatouilleuse, hein? En raison des chatouilles qu'elles prodiguaient à leurs opposants politiques, hein, et c'est un euphémisme faisant allusion à la violence des femmes. Et donc un des aspects que je détaille dans ma thèse, c'est que si les femmes ont repris à leur compte des revendications portées par, au préalable par des leaders politiques mahorais, hein, notamment la réclamation du statut de département, la réclamation d'accéder au statut de département, elles ont été aussi guidées par la volonté de rompre avec un système hiérarchique ancien en vigueur dans l'archipel des Comores, de rompre avec une organisation sociale faisant des descendants d'esclaves ou de langagisme les personnes en bas de l'échelle sociale, tandis que l'élite politique d'ascendance arabe, ou du moins sans réclamant, conservait une position préférentielle, ou du moins politique, et ceci en dépit de la colonisation, hein, dont on aurait
pu croire que la mise sous tutelle de ces territoires aurait mis fin à ce système hiérarchique. Et donc, derrière le désir de séparation porté par ces femmes, hein, de séparation de Mayotte du reste de l'archipel, se cachaient des oppositions de classe, s'enchevêtrant à une opposition de genre, d'où l'émergence d'un mouvement majoritairement féminin dans les années 60 à Mayotte. Dans le cadre de la région de l'océan Indien, c'est un mouvement assez inédit, des femmes faisant irruption sur la scène politique à Mayotte. Et c'est aussi, à mon sens, un mouvement qui prend la forme d'une révolte contre des hiérarchies sociales précoloniales et qui s'inscrit, toute proportion gardée, dans le sillage de la révolution zanzibarie survenue 2 ans plus tôt, en 1964. La période de lutte menée par les chatouilleuses apparaît ainsi comme un temps révolutionnaire, bouleversant un ordre social ancien et préfigurant une ère nouvelle. Alors, c'est ici que l'idée de régime d'historicité, hein, ce concept formulé par François Hartog, fournit un support conceptuel original intéressant pour interroger le rapport au temps dans la société mahoraise. Alors, le concept de régime d'historicité désigne des modes d'articulation de 3 catégories, hein, du passé, du présent et du futur. Et c'est un outil, à mon sens, heuristique qui permet de penser les ruptures temporelles ressenties par les individus. La centralité de la lutte menée par les chatouilleuses, le présentisme de cette lutte dans les mémoires, vous voyez ici par exemple une des figures de ce combat, Zenam Déré, qui apparaît sur un lasso, je crois que vous devez voir ma souris, Zenam Déré qui apparaît sur un lasso, un tissu brandi par des manifestantes, hein, des manifestants majoritairement des femmes, mais on le retrouve aussi à l'occasion de cérémonies politiques. À l'omniprésence de ce passé et de son enfermement dans le présent, dans les entreprises mémorielles ou en politique, dévoile, à mon sens, cela dévoile une mise en ordre du temps où la séparation de Mayotte de l'archipel apparaît comme une rupture, non seulement politique, mais une rupture qui vient rompre avec un passé séculaire, opérant ainsi une division temporelle marquée par un passé perçu comme un temps de domination des autres îles de l'archipel des Comores, un passé perçu comme une longue période où l'oligarchie comorienne aurait imposé sa domination sur les habitants de Mayotte, et de l'autre, un présent renouvelé, renvoyant à la lutte pour Mayotte française, hein, selon l'expression consacrée, hein, à la lutte pour la séparation de Mayotte des Comores, liée à des années de forte mobilisation sociale des années 1966 à 76, et enfin, un futur qui se serait défait de ces rapports de domination anciens entre Mayotte et les autres îles, hein, des hiérarchies sociales préexistantes dans l'archipel des Comores, comparable à celle qui pouvait régir la société zanzibarie. Bref, la venue d'une société égalitaire qui se fonderait sur l'idéal républicain français, hein, avec l'idée toujours vive, toujours forte, le sentiment toujours fort, un passé lié aux Comores dont il faut se défaire et contre lequel il faut lutter. La période de 1966-1976 apparaît ainsi comme un temps de crise, ou plutôt une crise du temps. Ce moment trop rappelé invite à reconsidérer les articulations du passé, du présent et du futur. Et comme vous pouvez le voir, cet ordre du temps déroge complètement aux temporalités mises en exergue par l'histoire officielle, hein, dans laquelle domine l'histoire de l'esclavage, considérée comme un biais fondamental pour la compréhension des sociétés coloniale, postcoloniale. Or, comme le montre l'exemple de Mayotte, d'autres temporalités existent qui font peut-être plus sens pour les habitants.
Alors, cette division entre passé, présent et futur ici énoncé établit un ordre du temps où le présent révolutionnaire, hein, ce temps de rupture avec l'archipel des Comores, j'en parle en termes de révolution, en tout cas c'est ce sentiment qui se dégage de la mémoire collective, hein, ce présent révolutionnaire viendrait réparer ainsi les injustices et venger un passé statique, éternel et menaçant. Et c'est la raison pour laquelle j'évoquais en introduction l'idée de construction d'une mémoire réparatrice. Alors, j'ai été fortement influencée par les travaux de l'anthropologue Mathieu Claverolas pour formuler cette idée de mémoire réparatrice. Hein. Mathieu Claverolas, dans ses travaux sur Maurice, évoque la construction d'une mémoire réparatrice. Il a mis en lumière une forme de réappropriation positive de l'histoire à Maurice au sein de la communauté indo-mauricienne. Cette communauté indo-mauricienne aurait converti une date peu glorieuse, celle de l'arrivée d'engagés indiens à l'île Maurice, en un événement plutôt avantageux, en faisant référence à ce moment sous la forme de colonisation indienne. L'auteur, Mathieu Claverolas, signale par exemple qu'en 1935, lors de la commémoration du centenaire de l'engagisme, un obélisque avait été inauguré sur lequel était fait mention, non pas l'engagisme, mais il était mentionné, on parlait de colonisation indienne. C'est un changement de perspective notable. Et donc, à travers cet écrit, transparaît l'idée que la communauté indienne à Maurice n'avait donc pas migré dans le cadre d'un recrutement de travailleurs engagés, mais dans une volonté de conquête, de colonisation de l'île. Les Indo-Mauriciens se hissaient de cette façon en acteurs de leur propre histoire, en dominant et non plus en dominés. Ce qui correspond, selon Yann Asman, à la production d'une mémoire réparatrice, à une sorte de rachat, je cite, de rédemption, avec une inversion des stigmates. Cet exemple est, à mon sens, particulièrement intéressant pour appréhender la façon dont la mémoire est manipulée à Mayotte. Elle m'a beaucoup aidée à penser la situation mahoraise. Et c'est en m'appuyant sur les usages mémoriaux du combat pour Mayotte française que j'ai pu entrevoir la production d'une mémoire que l'on pourrait aussi qualifier de mémoire réparatrice. Dans les entreprises mémorielles à Mayotte, je vous en ai parlé juste avant, la figure de Zen Amdéré domine en tant que métaphore de la nation mahoraise, nation mahoraise bien sûr entre guillemets, Zen Amdéré était la leader du mouvement des chatouilleuses, présidente du mouvement, et elle est devenue une icône de ce combat et de la lutte de tout un peuple, même si bien sûr, il faut rappeler, il faut tempérer cette assertion, puisque tous les Mahorais n'ont pas été partisans du maintien de Mayotte sous administration française. Et comme vous pouvez le voir, ici elle est mobilisée dans des manifestations officielles, son visage est mobilisé, sa figure est mobilisée très régulièrement, et bien souvent c'est cette photographie qui s'impose dans le champ mémoriel. Alors, à mon sens, la représentation d'une femme à la peau claire, au trait fin, n'est pas anodine. Avant elle, une autre femme, Gwenim Titi, alors, si vous voyez ma souris, elle est ici. Alors, Gwenim Titi était à la tête du mouvement, mais celle-ci avait dû céder la place à Zena Amdéré en raison d'un oracle qui prédisait la venue d'une femme à la peau claire, seule à même de mener à bien le combat. Donc, cet oracle, à mon sens, en dit long sur la lecture chromatique des individus dans le sud-ouest de l'océan Indien.
Et si l'on s'appuie sur les thèses de Jean-Louis Bognol dans son ouvrage phare sur la couleur comme maléfice, l'apparence physique et plus particulièrement la couleur de peau est sujette à interprétation et a pu, je cite, « servir à la construction d'identité collective ». Selon lui, la couleur en tant que différence est investie d'une signification sociale et participe d'un ordre socio-racial à relier avec l'économie de plantation et le système esclavagiste. Le statut social d'un individu ainsi pouvait être déterminé, amélioré ou amoindri selon son apparence physique et plus particulièrement sa couleur de peau. Alors, cette analyse de Jean-Louis Bognol sur les sociétés caribéennes constitue de mon côté, pour moi, un support de réflexion intéressant pour analyser les sociétés insulaires de l'océan Indien. En élevant en symbole de leur combat le personnage de Zénane Déré, plus précisément une femme au teint clair, au très fin, les cheveux longs, non crépus, une femme pouvant très bien s'apparenter à la figure des femmes issues de l'élite anjouanaise, du moins une figure des femmes de l'élite anjouanaise fantasmée ou idéalisée. Donc finalement, cette catégorie sociale contre laquelle se mobilisent les chatouilleuses, d'une certaine manière, les militantes ont recours à des critères de lecture et d'identification que seuls les insulaires sont à même de comprendre. Et ils ont recours à des critères de lecture évoqués par Jean-Louis Bognol. En ayant recours à cette figure, les militantes, vous en voyez ici quelques-unes, donc, invisibilisent dans l'espace public l'opposition de classe au cœur de leur lutte, mais aussi elles mettent en branle cet ordre socio-racial en se réappropriant l'apparence des significations sociales, comme en réfère Jean-Louis Bognol. D'où mon postulat de construction d'une mémoire réparatrice, passant sous silence des divisions sociales, tout en réinvestissant des significations sociales s'apparentant aux dominants. On voit ici que ce qui anime les entreprises mémorielles locales, on peut avoir avec l'histoire de l'esclavage, quoique si, mais au contraire, l'histoire de l'esclavage, cette histoire de l'esclavage tendrait à valider le fait de mettre en exergue l'histoire de l'esclavage tendrait à valider l'existence de ces hiérarchies sociales contre lesquelles la population se mobilise, ce qui pourrait expliquer justement la tendance à occulter cette période, cette histoire dans les processus mémoriels. Et ce n'est finalement qu'au sein des institutions françaises que l'histoire de l'esclavage, en tout cas, est activée. Donc, on observe ainsi des dissonances entre une histoire officielle et des mémoires locales en ce qui concerne l'histoire de l'esclavage. L'histoire de l'esclavage bénéficie de l'intérêt des institutions françaises, les colloques sur cette thématique, mais aussi d'organes internationaux comme l'UNESCO, qui a financé un programme il y a quelques années de recherche et d'inauguration de stèles en Afrique pour commémorer l'esclavage. Je ne vais pas détailler, puisque ce n'est pas l'objet de cette communication, de faire un état de la littérature de façon exhaustive, mais on voit que cela travaille le milieu académique, je pense aux travaux de Suvel Fuma, aux travaux de M. Prosperev sur l'esclavage, et notamment l'intérêt pour les mémoires locales de l'esclavage. Mais finalement, comme vous pouvez le voir, à Mayotte, cette histoire ne correspond pas aux dynamiques mémorielles locales qui tendent plutôt à effacer ou occulter cet aspect.
mais aussi, hein, à côté de cela, à convertir cette histoire et à se réapproprier cette histoire sous une forme positive avec la mise en exergue du combat des femmes. Donc l'étude des mémoires locales témoigne ainsi de l'existence, hein, de temporalités autres et invite à faire un pas de côté à l'histoire officielle, hein, dont la perspective impose un ordre du temps qui n'est pas forcément celui des populations locales. Je vous remercie de votre attention. Eh bien, merci beaucoup, Madame Idriss Mamaï, pour cet exposé très stimulant qui nous permet donc d'avoir un pied à Mayotte et d'avoir quelques éléments d'appréciation sur Mayotte, et notamment vos derniers mots sur l'importance des mémoires, la nécessité de travailler à partir des mémoires, mais le conflit, hein, qui existe souvent entre... Eh bien, le discours...